Madame, voici les documents que vous avez demandés. Ok, juste dépose-les là. Bien, madame. Passez une excellente week-end. Je vous verrai le lundi. Rien du tout. On se voit demain. Madame, demain est le week-end. Et ça veut dire quoi, c'est le week-end? On a des choses à faire et on doit finir cela. Madame, je... Désolée, j'ai déjà mes plans pour le week-end. Eh bien, annule-les. Ça ne serait pas facile, madame. C'est le mariage de mon ami et ma présence est demandée. C'est une raison de plus pour que tu viennes travailler demain. Je veux dire, tout ce que tu vas faire à ce mariage, c'est manger, boire avec le couple, n'est-ce pas? Oui, madame. Elle est ma meilleure amie, madame. Oh, félicitations. Tu lui as dit de se préparer? Oh oui, madame, j'ai fait. Je lui ai dit qu'elle doit savoir comment bien prendre soin de son mari, l'aimer avec beaucoup d'attention et bien le traiter, madame. Je ne parle pas de cela. Je te demande si tu as demandé de se préparer pour le petit déjeuner. Ah, je veux dire le cœur brisé. Ah. Madame, pourquoi vous raisonnez comme ça? Vous ne souhaitez pas le bonheur? Bien sûr que non. Pourquoi je serais sceptique à son mariage? Mais tu sais comment les hommes sont. Ils trompent leurs femmes pour aucune raison. Madame, c'est pas tous les hommes qui trompent. Le mari de mon ami est un bon homme. Il ne va jamais faire ce genre de truc à elle. Oui, ma belle, c'est comme ça que tous ils se comportent. Jusqu'à ce qu'ils te fassent l'inimaginable. Celui-ci est différent, je le connais depuis longtemps. Au fait, elle n'a jamais fait quelque chose pour lui pousser à tromper. Oh, mais elle n'a pas besoin de faire quelque chose pour se faire tromper. Les hommes trompent sans aucune raison. Tu peux être magnifique. Tu sais, aussi resplendissante que le soleil. Aussi brillante qu'une étoile dans le ciel. Avec le corps parfait. Et bien sûr, tu sais faire tout ce qu'une femme doit faire. Et il va te tromper. Et en plus, avec une fille qui ne t'arrive pas à la cheville. C'est pour cela que j'ai décidé d'être en couple avec mon travail. Et je vais te forcer à faire la même chose. Tout ça parce que je veux t'aider car je t'apprécie. Et je ne veux pas que tu fasses des erreurs stupides. Alors, tu viendras au boulot demain et c'est mon mot final. Alors, t'as pu avoir ce que je t'ai demandé? Oui. Le voici. Je crois que tout est bon, non? Dis-moi, tous les documents sont là, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je voulais dire non. Je n'ai pas encore fini avec les documents. T'as pas encore fini de bosser là-dessus? Pourquoi? T'as pas reçu mes emails ce matin? Oui, monsieur. Alors, pourquoi est-ce que t'as pas terminé? Oui. Je travaille toujours là-dessus. Ça sera vite fait, ne vous inquiétez pas. Yo! Oh, normalement, tu étais censé avoir terminé. Je t'ai envoyé le travail à 6h, n'est-ce pas? Et il est 13h déjà. Étant donné que tu commences à 8h, tu devrais avoir fini. À quelle heure t'es arrivé au bureau aujourd'hui? C'est quoi ça, hein? Est-ce que t'as le Covid ou t'as la grippe aviaire? Non, monsieur. Alors, à quelle heure t'es arrivé au bureau? À 11h, monsieur. À 11? Tu veux me dire que tu es venu au bureau à 11h? Est-ce que t'es sérieux là? Alors si je t'ai pas allé déposer ma nièce, que je t'ai venu directement au bureau, je t'aurais pas vu, c'est ça? Non, monsieur. Je ne t'aurais pas vu. Je suis vraiment désolé, monsieur. En fait, je suis allé à la fête d'anniversaire de la copine d'un de mes amis. Je suis désolé, monsieur. Donc t'as tellement fait la fête que t'as oublié que tu devais venir au boulot? Hein? Que tu devais venir au boulot toi? Non, non, monsieur. En fait, à la fin de la fête d'anniversaire, il a demandé sa copine en mariage et cela a engendré une autre fête encore. Laisse-moi deviner. Quand il lui a demandé en mariage, elle a éclaboussé avec des larmes de joie. N'est-ce pas? Juste après, elle a montré son doigt avec l'alliance à tout le monde dans la salle. N'est-ce pas? Exactement, monsieur. Et ton pote se dit qu'ils vont vivre éternellement comme ça. Il est en train de vivre un conte de fées. Ok? Ensuite, elle lui brisera le cœur et finira dans les bras d'un autre homme. Je ne pense pas qu'elle pourra faire ça. Je suis sûr qu'elle sait. C'est ça, ils sont juste en train de se mentir. Ok? Il verra plus cœur quand elle va lui briser le cœur.
Elles sont toutes les mêmes. Des Jézabel. Je pars continuer le travail, monsieur. Ouais, finis sur ce document. Bosse dessus, j'en ai besoin. Monsieur. Rapidement. Je peux en avoir plus, s'il vous plaît. Merci. Merci. Salut. Salut. S'il te plaît, je peux avoir un verre de votre meilleur whisky? Allô, madame. Maintenant? D'accord. Oui, madame. Oui, madame. Au revoir, madame. Quel est ce genre de travail, non? Quelqu'un était posé pour le travail, mais cette fois-ci, c'est trop. Tous les jours, travail. À chaque fois que j'essaie de me relaxer, elle me dit de répondre aux emails encore. Dieu, c'est pas ce genre de travail que j'ai demandé. Quel est ce genre de stress, ça? On dirait que le travail vous fatigue. C'est ma boss, oh. Cette femme est un bureau de travail. À chaque fois que j'essaie de me relaxer un peu, elle me dit toujours de répondre aux emails. Demain que c'est le week-end, je suis supposée être au mariage de ma copine, elle dit que je dois aller au travail. Très tôt. Je vous comprends parfaitement. Je sais ce que ça fait d'avoir un patron qui est trop zélé et demande assez. C'est pas croyable. Tu ne comprends pas. Sérieusement, tu ne comprends pas. Ma boss est un bureau de travail. Elle n'a même pas une vie en dehors du travail. Laisse-moi te dire un truc à propos de mon patron. Écoute, mon patron n'a pas d'enfant, pas de femme, ni de copine. Tout ce à quoi il pense, c'est le travail. Personnellement, moi, je pense qu'il a besoin d'une régulation qui pourra enlever ses idées un peu du travail. Bien. Sincèrement, nous sommes dans le même bateau. Ah ça, tu peux le dire. Désolé, excuse-moi. Je suis Boladi. Amanda. Ah, ravi de faire ta connaissance. Écris une lettre à Monsieur Bimpan. Pourquoi ton visage est comme ça? Rien, madame. Je sais que tu es énervée. Je sais que ça t'énerve que j'ai refusé que tu assistes au mariage de ton ami. Mais je le fais pour toi. Je sais qu'actuellement, tu es en train de penser que je suis une patronne horrible. Non, madame, je n'ai pas pensé comme ça. S'il te plaît, arrête de bouder. Quand on finira avec tout cela, je vais t'emmener dîner. Je sais que c'est ce que tu veux. Merci, madame. S'il te plaît, prends ce document et vérifie la comptabilité. Et j'ai également besoin du dossier de l'entreprise de technologie. Palomé, combien de fois je vais te demander d'arrêter de m'appeler? Je voudrais que tu arrêtes de m'appeler, ok? Arrête! Je t'ai pardonné il y a longtemps déjà. Mais jamais on reviendra ensemble, ok? Quoi? Attends, qu'est-ce que tu viens de me sortir là? Non mais tu te fiches de moi, est-ce que tu sais ce que ça fait? De voir sa fiancée dans un lit avec un autre homme.
Hein? Arrête avec ton ramassis de conneries. Non, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Si tu m'aimais, tu n'aurais jamais couché avec un autre homme. C'est un fait. Ah, c'était une erreur, hein? Et si tu retournais faire cette même erreur, hein? Laisse-moi tranquille, ne m'appelle plus jamais. Salut mesdames, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Est-ce que je peux me joindre à vous? Je peux pas vous donner cette permission. Ma boss la peut. Ok. Oh, je peux bien me joindre à vous deux? Même pas en rêve. Eh ben, c'est juste pour avoir une conversation. C'est une belle journée, alors je voudrais bien qu'on apprenne à mieux se connaître, vous voyez? Qui es-tu pour que je sois intéressé de faire ta connaissance? Non, je suis vraiment désolé. Je m'appelle Charles. Et vous? Je ne suis pas intéressé par qui tu es, où tu travailles, où tu vis, comment tu mènes ta vie. Ça ne m'intéresse pas. C'est des hommes comme toi qui passent leur temps à courir derrière des innocentes femmes pour leur faire souffrir. Et Dieu aussi. Madame. Je sens pour elle. Tu parles de qui? J'ai mal pour elle. Elle a passé par beaucoup de choses. Son mari l'a trompée à 2 semaines de leur mariage. Ça l'a brisée complètement. Elle a presque commis le suicide. Et maintenant, elle ne veut plus sentir un homme. Comme je veux vraiment l'aider. Je veux qu'elle se... sans aimer encore. Je veux qu'elle soit heureuse. Elle est une très bonne personne. Écoute, j'aimerais bien partager un truc avec toi. Mon patron, il a eu le cœur brisé. C'était vraiment terrible et ça l'a beaucoup affecté. C'est ce qui a d'ailleurs fait que il est devenu insensible. Faire confiance en une femme pour lui, c'est impossible. Tu sais, la dernière fois que j'ai même dit à ma boss que je vais aller au mariage, cette femme a presque bouché mes tympans en me disant à quel point les hommes sont méchants. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, rien. Regarde, j'étais en train de penser à ce qui pourrait être bénéfique pour nos patrons. Je ne sais pas. Tu sais quoi? Puisque nos patrons sont en train de prendre le travail pour compenser leur douleur et leur cœur brisé, pourquoi ne pas trouver un moyen pour qu'ils se rencontrent? Quoi? Ma boss, elle veut même pas entendre parler d'un homme. Ou même encore avoir une relation avec un homme. Juste oublie ça, je t'en supplie. Regarde. Je ne peux pas. Moi, je pense très sincèrement que ça pourrait marcher. Écoute. S'ils arrivent à se rencontrer et à sortir de temps en temps ensemble, ça pourrait nous accorder un peu de temps et plus d'espace, tu vois. Tu devrais y penser. Si je te comprends bien, cela veut dire qu'ils seront amoureux et heureux. Exactement. Passer moins leur temps au travail. Et on peut avoir notre propre temps. Oui, c'est exactement ça.
J'aime l'idée. Je t'assure, j'aime. Oh. Mais comment on va procéder à ça? Oh, c'est vrai, c'est vrai. Ok, j'ai une idée. Et c'est ce que nous allons faire. Entrez. Bolaji. Pourquoi est-ce que tu tousses? T'as le Covid? Non, monsieur. Suis-je en sécurité? Oh oui, ne vous inquiétez pas. Monsieur, quelqu'un a porté un colis. Qui? Je ne sais pas, c'était devant la porte. Déposé juste là. Ah, c'est étrange, c'est pas mon anniversaire. Je crois que vous devez lire la carte qui est dessus. Peut-être le nom de la personne y est. Le niveau ne t'a pas dit qui était à l'origine de tout ça. Tout ce qui est écrit ici, c'est ton admiratrice secrète. Non, monsieur. N'importe quoi. Enlève-moi ces déchets de ma table tout de suite, admiratrice secrète de mes deux. Elle était où lorsqu'on était en train de me tromper, hein? Hein? Elle était où, cette admiratrice? Enlève ça de mon bureau. Ok, monsieur. Et la prochaine fois que tu m'amènes un truc comme ça, je te renvoie. Je suis désolé, monsieur. Sors ça d'ici. Monsieur, où est-ce que je dois le déposer? Tu voudrais savoir où mettre ça? Non, non. Mets-le sur ma tête. Vas-y, mets ça sur ma tête. Je m'en contrefiche de comment est-ce que tu vas garder ou où est-ce que tu mettras ça. Garde ça pour toi si tu veux. Mais sors-moi ça d'ici. Désolé, monsieur. Mais monsieur, ce n'est pas... désolé. Madame. Pour vous, madame. Ce n'est pas mon anniversaire. Pourquoi tu as acheté des fleurs? Oh, ce n'est pas moi, madame. C'est une personne inconnue qui a déposé ça à la réception. Peut-être, mais elles ne sont pas à moi. D'accord, madame. L'amour est un sentiment qui change avec le temps. Mais cela ne va pas se passer avec moi. Parce que ton amour est comme ma vie. C'est ma parole juste pour dire, je t'aime. Un administrateur secret. Et tu as osé m'emmener ça? Quelqu'un l'a déposé et tu as pris toute ton audace pour venir me l'apporter? Amanda. Je suis désolée, madame. Je n'avais pas lu ce qui a écrit. Et maintenant, si c'était une bombe? Madame, ce n'est pas une lettre à bombe. C'est juste une simple carte et un bouquet. T'ai-je déjà dit que je suis prête pour cela? Fais sortir ces bêtises de mon bureau. Maintenant. T'inquiète pas de ceci. Vraiment désolée, madame. Laisse-moi essayer. Allô, Bolachi. Quoi de neuf? Comment ça a été? Salut, Amanda. Oh, pas du tout, hein. J'ai même failli perdre mon boulot parce que j'ai donné ce cadeau à mon patron. Moi aussi, oh. Kimberly presque abattue. Elle a déversé tout sa colère sur moi.
à cause du bouquet et la carte. Ah, ça sent pas du tout bon pour nous, hein. Mais on doit tout faire pour trouver un moyen pour qu'ils puissent se rencontrer. Je pense que j'ai une idée. Ok, vas-y, je t'écoute. Bien, nous pouvons... On peut arranger un rendez-vous pour eux. Hey. Non. Je ne peux pas prendre ce genre de risque. Mon patron va personnellement saisir ma lettre de renvoi tout en mentionnant tout ce qui lui est arrivé pendant le rendez-vous. Allez, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne peux pas aller trouver ton boss et lui dire de sortir avec ma boss. Nous pouvons actuellement faire paraître c'est comme si c'est une coïncidence. Oh, vraiment? Alors, comment ça va se faire? Oh, madame. Oui? C'est presque le temps du déjeuner. Ok. Madame, vous me devez toujours un déjeuner. Vous vous rappelez du déjeuner de la fois passée, ça a été court. C'est vrai. T'inquiète pas, une autre fois on ira et tu vas manger tout ce que tu veux, ok? Non, madame. J'aimerais que nous puissions avoir le déjeuner ensemble. Suis-je obligée de t'accompagner? Oui, madame, vous m'avez promis, vous vous souvenez? Oui, je l'ai fait parce que c'était la fin de semaine. Là, nous sommes au milieu de semaine. J'ai beaucoup de travail à faire. Je n'ai pas le temps pour ça. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment que nous puissions avoir le déjeuner ensemble. Ça serait un honneur pour moi et le meilleur moment d'avoir le déjeuner avec vous. Ok. Vu que tu insistes, je vais aller avec toi. Donne-moi quelques minutes. D'accord, madame. Merci, madame. Je t'en prie. Il y a un client qui aimerait nous rencontrer. Il sollicite une réunion dans un restaurant du quartier. C'est quel client ça? Celui de UEV Construction. Oh, ok. Mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas ici? Oh, il avait dit qu'il avait un vol urgent à prendre, donc il aimerait nous rencontrer là-bas et ensuite repartir. Ok, très bien. Dans quel restaurant? Il m'a envoyé l'adresse, mais nous devons être là-bas avant 13h. 13h? Oui, monsieur. Mais il est déjà 12h30. On doit y aller. Oui. Aucun serveur. Elle... Je reviens tout de suite, je vais vite aux toilettes, ok? D'accord, madame. Bonsoir. Monsieur, j'arrive dans un instant. Ok. La voilà. Oh. Bonjour. Oui. Manager, regardez. Nous sommes ici pour 10 minutes. Nous voulons que vous fassiez quelque chose. Ok, donc comment est-ce que je peux vous aider? Alors, nous voulons que vous nous aidiez à mentir à nos boss qu'ils ont gagné du déjeuner gratuit dans la VIP. Mentir? Oui, mentir. Quoi mentir? On peut juste leur dire d'avoir un dîner dans la salle de VIP. Ah. Écoutez, s'il vous plaît, ils ne vont vouloir jamais s'asseoir ensemble. Nous voulons juste que vous nous aidiez pour que ça ressemble à une coïncidence, s'il vous plaît. Ok, je peux faire ça facilement pour vous. D'accord. Mais ça sera très cher. Ah oui, bien sûr que nous le savons. Nous allons payer pour tout ce qu'ils prendront et aussi vous remercier pour le stress. 10 000 naira. Oui. C'est peu, désolé. Ah ah. Ok, maintenant, combien voulez-vous? Je veux une bonne somme. 30K. Ça, c'est beaucoup, non? Ok, vous savez quoi, nous allons juste... Nous allons ajouter 5K. C'est ce qui m'arrange, tu veux ou pas? Ok, c'est bon, on accepte. C'est pas un souci. Ok, c'est pour cela que j'aime faire business avec les hommes. Ils ne parlent pas beaucoup.
Bonsoir, monsieur. Bonjour. Excusez-moi du dérangement. J'aimerais que vous participiez à notre tirage de sort pour avoir un dîner gratuitement dans notre salle VIP. Oh, vraiment désolé. Je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour un business alors. Je sais ça, mais tentez juste votre chance. On ne sait jamais. Une prochaine fois, mademoiselle, d'accord. Là, je suis un peu occupé. Dis-moi, où est-ce que tu étais? Désolé, monsieur. J'étais allé vérifier voir si le client était dans les parages. Mais il vient juste de m'appeler pour me dire que ça ne pourra plus tenir. Quoi? Il nous a juste fait perdre notre temps. Je suis désolé, monsieur. Quoi? Vous pouvez, monsieur. Ok, il n'y a pas de mal à vouloir essayer. Alors, comment est-ce que ça marche? Je l'ouvre ou quoi? Attends, okay. Je vais vous aider. C'est vraiment ridicule tout ça. Il aurait dû venir au bureau d'abord. On a fait tout ce chemin pour se pointer ici. Après, il ne vient pas. Oh, monsieur, vous avez eu un plat gratuitement. Oh. Oui. Wow, félicitations, monsieur. On était là pour le business, mais voilà que vous avez une très bonne surprise. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Venez avec moi dans la salle de VIP, s'il vous plaît. Ok, très bien. Ok, par ici. Oui. Mesdames, participez au tirage au sort pour avoir un plat gratuitement dans la salle VIP. Ah ok, qui n'aimerait pas un repas gratuit? Désolée madame, vous allez devoir essayer une prochaine fois. Oh, je vais essayer prochainement. Madame, vous avez eu un plat gratuitement. Oh, sérieusement? Oui. Pourquoi je ne suis pas surprise? Je pense que la chance m'accompagne. On y va, s'il vous plaît. Oh, bien sûr. Je suis désolée, ma belle. Je vais laisser. Qu'est-ce qu'il fait assis à ma table? Lui aussi l'a participé au tirage au sort. Je pensais pas que j'allais manger avec quelqu'un. Non, la nourriture est pour deux clients. Vu que vous l'êtes seul, je vous suggère de prendre vos affaires et de partir. Quelqu'un doit s'en aller? C'est fou. Pourquoi devrais-je partir? Je mérite cette table. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai pas le même droit? Hein? C'est ce que vous me dites? S'il vous plaît, monsieur, ça va. Ça va. Je pense que vous allez vraiment aimer le plat. S'il vous plaît, donnez-moi une minute. Une seule minute. J'arrive. Asseyez-vous, madame. Asseyez-vous. Donnez-moi une minute. Une minute. Une minute. J'arrive, s'il vous plaît. S'il vous plaît, asseyez-vous. But I know I want you for life. Make a man go crazy. J'espère que tout aille bien. J'espère aussi parce que ma boss, elle n'est pas facile à pranker. J'espère que mon patron puisse changer ça. J'espère aussi. Waouh, cette nourriture sent très bon. Et ça a l'air appétissant. Merci. Bon appétit. Merci. Pourquoi regarder la nourriture comme ça? Est-ce que c'est pas gratuit? Vous les femmes, vous aimez trop la gratuité. Je suis sûr quand même avec de la cola. Et dire que c'est sucré juste pour de l'argent. Excusez-moi? Est-ce que c'est faux? Hein? Est-ce que vous les femmes, vous ne cherchez pas un homme sur lequel vous reposez? Ah! Attendez une minute. Donc vous pensez sincèrement que toutes les femmes que vous allez rencontrer dépendent d'un homme? Oh, absolument. Une fois qu'un homme a de l'argent, vous vous jetez sur lui, on dirait des mouches. Je n'ose même pas imaginer le genre de femme que vous fréquentez. Non, s'il vous plaît, vous êtes toutes pareilles. C'est juste le prix qui est différent. Écoutez, je ne vais pas rester assise là et vous laisser m'insulter. Avec votre air arrogant et bon à rien, je...
Vous n'êtes qu'un homme ennuyeux à cause d'un repas que je peux me payer. N'importe quoi. Profitez de votre repas. Oh, merci. Je vais vraiment me régaler. Allons-y. Je n'aurais pas supporté la présence de cet homme 2 minutes de plus. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Vous n'avez rien dit quand vous avez quitté le restaurant. Il m'a sincèrement tapé sur les nerfs. Qui est-ce? Il y avait quelqu'un d'autre sur ma table quand je suis arrivée. Oh, je pensais que c'était juste pour une seule personne. Oui, je le pensais aussi. Tu sais quoi, ce n'est pas le sujet. Cet homme m'a vraiment mis hors de moi. Madame. S'il vous plaît, madame. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Peux-tu imaginer qu'il m'a appelée profiteuse? Il a osé me dire à moi que je suis une profiteuse. Car selon lui, j'étais contente à cause de la nourriture gratuite. Moi, je travaille dur pour mon argent, sans dépendre d'un homme. Et il m'appelle profiteuse? Pourquoi il a dit ça? Est-ce que je sais? Je suis sûre qu'il n'a pas voulu dire ça, madame. Qu'est-ce que tu veux dire? Il ne le pensait pas. Tu es en train de prendre sa part? Donc c'est à cause des femmes comme toi que moi, une femme travailleuse, je reçois ce genre de réputation, n'est-ce pas? Non, madame, j'ai pas voulu dire ça de cette manière. Au lieu de me rejoindre pour insulter quelqu'un qui a insulté ta patronne, un homme incapable m'a traité de profiteuse et toi, tu me dis ne le pensais pas? Je suis désolée, madame. Tu as intérêt. Moi. Madame, je... Il m'a appelée profiteuse. Sais-tu comment je travaille dur? J'hallucine. Madame, je serai dans mon Tu pouce. Sors de nulle part et tu me traites de profiteuse. Est-ce que je te connais? S'il te plaît, par sort. Merci, madame. Il ne le pensait pas. Il ne voulait pas dire ça. Hey! C'est probablement que ceci ne va pas marcher. Juste leur première rencontre, mais ils ont transformé le restaurant. Je ne peux pas, comme. Je pense que ton patron ne devait pas craquer de la sorte. Oui, ma boss est une dure à queue. Mais ton boss est vraiment impoli. Oui, et c'est sûr, ma boss lui déteste. Mais c'est toi qui disais que ton patron ne laisse pas le temps aux hommes. Oui, mais ce qu'elle a pour ton boss est double. Ton boss est vraiment impoli. Regarde. Ce dont nous avons besoin actuellement, c'est un très solide plan pour les amener ensemble. Regarde, moi, je ne vais pas perdre mon travail. Et d'ailleurs, ma boss ne va plus accepter de la nourriture gratuite encore. Ah, calme-toi, Amanda. Tu ne peux pas abandonner maintenant. C'est toi-même qui as dit que nos patrons doivent être heureux. Ok. Il y a un truc. Entre ce que vous faites dans votre entreprise... Mmh. Et ce que nous faisons aussi chez nous, n'y aurait-il pas un moyen d'effectuer une transaction d'affaires? Madame. Madame, voici le contrat pour le projet de Degagon Stage Construction. Ici, madame. S'il te plaît, va au département de comptabilité et dis-leur de leur envoyer l'argent immédiatement. Nous avons 2 semaines pour conclure cette affaire. Nous ne pouvons pas retarder. D'accord, madame. Et tu me les imprimes. D'accord, madame. S'il te plaît.
Salut Bolachi. Alors, je viens d'avoir la signature de ma boss pour votre contrat. Oui, mais ne célébrons pas encore, d'accord? Jusqu'à ce qu'ils acceptent de travailler ensemble. Ok, alors je prépare un rendez-vous avec votre compagne à 16h. Ne venez pas en retard, d'accord? Entrez. Bonjour, Bolaji. Patron, j'ai de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle. J'espère que ça vient avec de l'argent. Oh oui, boss, effectivement que ça concerne l'argent. Parce qu'en ce moment, c'est seulement l'argent qui attire mon attention. Je sais. Désolé, je ne vous en avais pas parlé, mais j'ai reçu un contrat au niveau des entreprises de la cité. Ah, patron, ce n'est pas seulement à cause du contrat, mais la secrétaire vient tout juste de m'appeler qu'ils nous feront la transaction de 70% des fonds à la fin de cette journée. T'es sérieux là? Je suis sérieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis sérieux, chef. Au moment où nous parlons, ils veulent avoir une réunion avec nous aux environs de 16h. Oui. Ils veulent nous rencontrer? Oui, okay, monsieur. Ok. À quelle heure alors? C'est 16h, monsieur. Ok. Très bien. Et si tu m'attendais dehors, j'arrive. D'accord, patron. Merci. Très bon boulot. Bien joué. Merci beaucoup. Serre-moi la main. Merci beaucoup, monsieur. Je suis désolée de vous déranger, madame. La compagnie qu'on vient de signer le contrat avec sont ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons décroché le contrat de construction. Excusez-moi, mon nom est Bolaji Johnson et voici mon patron, Monsieur Léonard. Ce nom n'est pas sur le contrat. Oui, madame. Étais-je même au courant de ce contrat? Étais-je informé de ce contrat? Oh oui, bien sûr que si. Je l'ai soumis personnellement. Oui, madame, ils ont répondu à toutes les demandes dans le contrat. Amanda, tu m'as laissé signer un contrat d'une compagnie dirigée par un arrogant, un bon à rien, un homme incompétent. Hey, ça suffit. Ok, je vous arrête tout de suite. Vous pouvez m'insulter comme ça vous chante, mais je suis pas un incompétent. Vous devriez vous estimer heureuse que notre compagnie accepte ce contrat. Amanda. Oui, boss. Va dans ton bureau et change le nom de l'entreprise sur le document au nom d'une autre entreprise. Je suis désolée, madame, mais je les ai déjà transféré l'argent du contrat. Tu as fait quoi? Madame, vous m'avez ordonné d'aller dire au comptable de transférer de l'argent dans leur compagnie. Immédiatement, madame. Je veux un remboursement. Clairement, votre entreprise ne peut pas assumer ce contrat. Alors là, c'est non. Nous sommes assez doués. Ok? Essayez de nous reprendre ce contrat et je vous poursuivrai. Vous avez ma parole. Vous avez intérêt à faire du bon boulot. Oh, nous sommes excellents dans le domaine. Je dirais tout le temps. Je suis vraiment désolé, madame. Hé ! Quelle est la signification de ces choses stupides que vous avez designées ? Est-ce pour cela que je vous ai payé? Et n'insulte pas mes conceptions, ok? Je sais que t'as un problème personnel avec moi, mais je t'interdis de traiter mon travail de médiocre. Je suis un professionnel, fournissant l'excellence à n'importe quel moment. C'est ce que vous appelez excellent? Même mon petit-neveu, qui vient à peine de rentrer en maternelle, peut faire mieux que vous. Je veux dire, quel genre de design c'est? Ce n'est pas ce que nous voulons. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de bon design. Tu pensais que nos designs étaient comme les amateurs que vous avez eu l'habitude de consulter, hein? C'est du haut niveau, ça. Nous, on propose du haut niveau. Ok, c'est très clair. Votre arrogance est bien plus gros que votre cerveau. Je crois que j'en ai assez. Je compte pas rester plus longtemps et me faire insulter par une femme qui est clairement frustrée par la vie. C'est intolérable. Mais où allez-vous? Je retourne au bureau.
Là où je suis apprécié et mon travail est pris au sérieux. Là-bas, des clients apprécient mon travail. Patron, vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi ? Vous êtes un professionnel. Ça ne sera pas professionnel de votre part de quitter un client parce qu'il s'est plaint. Oh, pourquoi vous êtes toujours là ? Qu'est-ce que vous attendez ? Faites-moi plaisir et partez. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, vous allez me faire le plaisir de renvoyer mon argent dans mon compte bancaire. S'il vous plaît, on doit juste trouver un moyen pour arranger ça. Eh bien, il n'y a pas de solution à propos de ça. La seule solution, c'est que votre compagnie renvoie mon argent avec des intérêts pour avoir perdu mon temps. Patron, allez-vous faire ça? Allez-vous juste partir sans toutefois satisfaire votre client? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, pouvez-vous travailler dans la paix comme ça le travail peut avancer? S'il vous plaît. Exactement. Même si possible, vous pouvez vous approcher l'un de l'autre. S'il te plaît. Je ne peux pas travailler dans le même endroit que cet homme. Je suis d'accord avec l'idée de Bozadji. De cette manière, vous pouvez voir son travail et l'aider à mieux faire. Bozadji ici peut partager mon bureau avec moi. Et nous pouvons avoir les yeux sur ce que vous devez vous faire. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, monsieur. Ceci va être une situation gagnant-gagnant par tout le monde. Je suis un homme mature. Perso, ça ne me dérange pas. Mais si elle y trouve un problème, moi, je ne peux pas l'avancer. Eh bien, je suis également mature. Mais cela peut juste marcher si vous suivez mes règles. Le fait que j'ai accepté de travailler avec vous et votre entreprise ne fera pas de moi votre esclave. Non, mais on est où, là? Genre, je suis ton prisonnier. Tu te prends pour qui? Comme je l'ai dit, la seule manière pour que ça marche, c'est si il écoute les règles que je lui donne. Sinon, ça ne marchera pas. Excusez-moi. Non, mais est-ce que tu vois le degré d'arrogance? Le manque de respect? Notre plan est en train de fonctionner. Je suis tellement excité. Maintenant, ils seront obligés de travailler ensemble. Tu sais, j'ai trop hâte de les voir travailler ensemble. Moi aussi, oh. Je vais organiser une fête pour eux s'ils finissent ensemble. Et s'ils se marient? Tu me fais rêver là. J'ai offert le sponsor du mariage. Tu vois les vaches que les marchands vendent au marché bien en forme là. Moi, je vais doubler ça. Je vois que ton patron te paye assez d'argent, n'est-ce pas? Je l'aime juste. Hey. Oui. Hey, j'aime ça. Hey. Pourquoi vous prenez mes biscuits sans demander? Oh. C'est une erreur. Une erreur? C'est du vol. Du vol? Tu m'as littéralement vu le prendre. Comment serait-ce du vol? Vous ne m'avez pas demandé de permission, alors c'est du vol. C'est juste un biscuit, ok? C'est pas si sérieux, d'accord? Ok, tiens. Je te le rends. C'est pas si sérieux. Alors comment osez-vous déposer un biscuit que vous avez déjà mangé dans mon bol? Quoi? Tu ne le veux plus maintenant? Prenez-le, s'il vous plaît. Ah, que je le récupère maintenant? Oui. Je pensais qu'il y avait un problème parce que je l'ai pris. Prenez-le. Que je le reprenne. Wow. Attends, tu sais quoi? Je vais juste l'enlever. C'est bon? Monsieur, nous partons manger. Que voulez-vous qu'on vous ramène? Eh bien, comme d'hab, du riz et du poulet. Ok. Ouais. Et vous, madame? Comme d'habitude. D'accord, madame. Ah, monsieur, je vois que tout va bien. Bah, moi, j'ai le problème avec personne, moi. Ok? J'ai pas de problème, zéro problème. Et si des gens ont des soucis avec moi, ça, c'est leur affaire. Je veux juste finir mon travail et partir. Alors là, je n'attends que ça. Je suis tellement impatiente que vous finissiez votre boulot et que vous quittez mon bureau. Biscuit. Super, c'est super. Cool. D'accord. Ah, c'est prêt? Oui. Tu n'as pas pris de plantain pour mon patron, j'espère. J'ai acheté un peu. J'ai acheté 5 pour ma boss. 5? Ah, c'est pas beaucoup trop?
Ce que j'ai payé la même pour ma boss aime le plantain. Parfois, je me demande si elle fait partie des singes. Cette femme aime beaucoup le plantain. J'espère seulement qu'elle peut se débrouiller avec ça parce qu'ils disent que le plantain est fini. Il y a quoi? Quoi tu penses? Regarde, tu sais que le partage connecte les gens ensemble? Alors pourquoi ne pas donc, tu sais, prendre les plantains du repas de ton boss et les mettre sur les repas de mon boss? Ah, je peux pas faire ça où? Regarde, c'est très simple. Puisque les plantains seront sur la nourriture de mon patron, elle sera forcée de lui demander. Comment tu es sûr que ton boss va donner un peu à ma boss? Mon patron est un gentleman. Il va sûrement partager avec elle. Allez, c'est juste, il faut repartir avec la nourriture et dis-leur de réarranger les plats, s'il te plaît, d'accord? Avec ton plan, là, je veux pas qu'elle me renvoie, oh! Fais vite, d'accord? C'est compris. Ok, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'aider à leur dire? Patron, voilà pour vous. Ouais, tu peux poser ça là. Amanda, pourquoi mon repas est comme ça? Où est ma banane? Qu'est-ce que... Bon, j'ai dit comme d'habitude. Ça, ce n'est pas comme d'habitude. Regarde, je ne peux même pas voir le riz, il n'y a que des plantains. Je suis vraiment désolée, madame. Le restaurant n'avait plus de plantains après avoir servi pour lui. Pas grave, tu peux prendre pour moi. Il y en a trop dans mon assiette. Non, s'il vous plaît. Après, c'est pour m'insulter. Merci. Je ferai jamais une chose pareille. Je ne ferai pas l'erreur de prendre quelque chose qui vous appartient. Waouh, c'est comme ça que tu... Ok. Ok, oh. Très bien. Il y en a clairement trop de plantains. On sent beau. Désolé, monsieur. Je vais les prendre juste par pitié. Parce que je sais que vous ne les voulez pas. Et parce que je suis un enfant de Dieu. Et la parole de Dieu dit, soyez en paix avec tous les hommes. Ouais. Si vous voulez les manger, mangez-les. Non, apporte ton assiette. Je voudrais pas gâter ton ordinateur. Rapproche-toi un peu, s'il te plaît. Que je puisse bien mettre ça dans ton assiette. Tu sais quoi? Plutôt passe la main. Ok, parce que je vais... Ça a l'air plus compliqué que ce que je pensais. Je vais pousser ça un peu. Je vais te donner toutes les bananes que j'ai ici. Il y en a clairement trop. Tout? Ouais. Vous ne voulez pas un peu de bananes? Non, tu peux les avoir pour toi. S'il vous plaît, je ne vous ai pas obligé à me le donner. Évidemment que tu m'as pas supplié pour ça. Je te les donne volontairement. Je te les donne en tant que gentleman, ok? Je suis un gars sympa. Dieu merci. Au moins, vous savez. Et voilà. Tiens. Fais-toi plaisir. Comment comptes-tu finir tout ça? Il y en a beaucoup. Hein? Dieu merci que je ne vous ai pas supplié pour cela. Tu comptes pas me dire merci? Merci. Hein? J'ai pas entendu. Oh, ça, c'est votre problème. Je l'ai dit. C'est vraiment délicieux, hein? Ah, je te dis. J'aimerais pouvoir voler leur recette. Attends, tu ne sais pas préparer? Bien sûr, je peux préparer. Quelle femme qui ne connaît pas préparer? Laisse-moi te dire quelque chose. Moi, j'ai vu des femmes qui ne savent pas préparer. Alors, elles font comment pour nourrir leur mari et leurs enfants? Ah, mais toi-même, tu sais, il y a assez de restaurants et des fast-food où chercher de la nourriture. Je ne permettrai à personne de préparer pour mon mari. Je vais préparer pour lui dans la cuisine et je vais en finir avec lui dans l'autre chambre. On dirait une femme au foyer. 1000 mètres. Dis donc. En fait, je voulais te demander quelque chose. Tu es cool,
Tu es sympa, même tu compatis. Et alors, comment se fait-il que... Pourquoi je suis célibataire? Oui, exactement. Pourquoi es-tu seule? Est-ce parce que tu ne vois pas les hommes ou ils ne te voient pas? Mon frère, nous ne sommes pas vus. Mais, honnêtement dit, ce n'est pas comme je n'ai pas les hommes qui demandent à sortir avec moi. Mais je suis juste prendre mon temps, tu sais. Tu sais, cette chose appelée amour n'est pas quelque chose qu'on doit se précipiter avec. Oui, je te comprends en fait. Tu sais, juste, je vois que tu te laisses guider par ton cœur. Et c'est de la même manière que je le fais aussi. Et je crois bien que c'est bon. Ah, mon frère, assure-toi de m'acheter du pain. Oh. tu es une comédienne. Voyage de l'amour, tu payes pain pour moi, non? Trop quoi? Ah, c'était vraiment un bon repas. Ah. Ok. Remets à bosser. Pourquoi vous avez fait ça? De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi vous êtes si gentil? Je fais pas le gentil, je suis juste moi. Pourquoi vous essayez de faire ça? Je veux dire... Attends, je comprends pas, qu'est-ce que tu essayes d'insinuer là? Donc, vous pensez que parce que vous m'avez donné la banane et vous avez jeté mes restes, je vais accepter ce design médiocre que vous avez fait? Oh, je vois. Tu crois que je fais semblant d'être gentil pour que tu acceptes mes magnifiques designs? Hein? Je suis juste moi, ok? Je suis un gars vraiment sympa. C'est de l'ironie. Non, je suis sérieux. Si t'apprenais à me connaître, tu te rendrais compte que je suis un gentleman. Je ne suis pas intéressée à apprendre à vous connaître. Alors que vous soyez galant ou pas, ça ne me regarde strictement pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas tomber dans votre jeu parce que tous les hommes mentent. Oh, et c'est reparti. C'est tellement cliché. Tous les jours, les hommes ceci, les hommes cela. Et vous, vous êtes jamais concernés. Genre, c'est toujours de notre faute. Bien sûr que ce n'est pas la faute des femmes. Parce que les femmes ne passent pas leur temps à tromper sans raison. Tu sais quoi? Il n'y a que des tarés pour voir un amant véritable. Et le prendre pour acquis. Parce qu'honnêtement, tout ce que je veux, c'est d'une femme qui m'aime. Pas pour ce que j'ai dans les poches. Mais pour qui je suis. Tu vois? Trouver le véritable amour est extrêmement difficile. Non, je vais vous dire ce qui est dur. Ce qui est dur, c'est de trouver un homme fidèle. Tu leur donnes ta vie, tes moyens, ton énergie, ton temps. Et comment ils te récompensent? Ils passent ton temps à te tromper et couchent avec ta meilleure amie. Je suis désolée. Non. C'est rien. T'inquiète. Tu sais, j'ai expérimenté ce genre de situation déjà et je sais ce que ça fait. C'est tellement compliqué. Tellement difficile de guérir de cela. Surtout quand tu as construit ta vie autour de cette relation de couple. Je comprends totalement ce que tu ressens, d'accord? Mais... on ne peut pas rester accroché aux douleurs du passé, tu comprends? Notre futur rayonne tellement. C'est pourquoi on ne peut pas laisser les douleurs du passé venir tout gâter. Qui aurait pensé que l'homme le plus arrogant est carrément une belle personne et qu'il a un grand cœur? Évidemment que j'ai un cœur et je suis un gars sympa. Tu sais, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient mauvais complètement. C'est juste qu'avec les circonstances... les gens changent à cause de ce qu'ils ont traversé. Retournons au travail. Ouais.
Non, mais qu'est-ce que tu fous ici? J'étais dehors, je t'attendais. Pourquoi est-ce que t'es passé par derrière? Qu'est-ce que ça veut Ronald, dire? Ronald, s'il te plaît, on doit parler. Écoute-moi, combien de fois je t'ai déjà dit de ne pas te repointer ici, hein? Je ne veux même pas te voir. Ta maison est la mienne. Pas cette maison. Tout ce que je veux, c'est que tu sortes d'ici et que tu retournes d'où tu viens. Sors d'ici. Il se fait tard. Hey, ne me touche pas. Je me fiche qu'il soit tard. Je t'ai pas invité. Fallait dire à ton gardien de ne plus me laisser rentrer chez toi. Mais pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi tout ce comportement? C'est ce que tu appelles être méchant? Tu penses que je suis une mauvaise personne? Si vraiment j'étais méchant, je t'aurais cassé la figure avec ton amant ce jour-là. Je ne sais pas comment te le dire. Je suis désolé, Ronald. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'aime pas vraiment. Toucher. Enlève tes mains. N'ose même pas t'approcher de moi encore. Dégage. Sors. Je veux pas te toucher. Ni te faire du mal. Mais sors d'ici. S'il te plaît, sors de ma maison. S'il te plaît. Retourne d'où tu viens. Savez-vous harcèlement? Bonjour. Hey Kimberly, comment tu vas? Je vais bien, comment tu vas? Je vais très bien, et ta nuit? Bonne, et la tienne? Elle était plutôt pas mal, horriblement bonne. Ok, tu as quelque chose de nouveau? Oui, j'ai des nouvelles maquettes à te montrer, voilà pourquoi je suis venu. Ici, on voyait ça à l'intérieur. Oui, bien sûr. Les dames d'abord. Ok. Oh mon Dieu. As-tu vu la manière dont ils souriaient quand ils se parlaient? J'ai vu, oh. Je suis contente pour eux. Je pense que je dois aller pour le test de sang. Un test de sang? Es-tu sérieuse? Bien sûr, non. Mais avec la manière dont mon ventre me fait maintenant, je pense que mon taux de sucre a augmenté. Ah, cela voudrait dire que le mien aussi va augmenter. Hein? Ah, mon cher, allons travailler. À part vouloir l'union de nos boss, on a toujours du travail à faire. Ça, c'est vrai. Je crois que je dois repartir au bureau. Oui. Qu'est-ce que tous ces papiers font encore ici? Qu'est-ce que c'est? C'est juste cette fleur j'ai reçue du livreur la fois passée. Oh, une nuit de jazz. Uh-huh. Je suis sûr que mon patron va adorer ça. Ah. Oh, ton boss aime la musique de jazz. Quelle coïncidence. Ma boss aussi aime la musique de jazz. Elle ne s'amuse pas avec. Tu es sérieuse? J'ai une idée. Monsieur Idé. Non, je suis sérieux. Je sais que ça va marcher. Tu peux me croire sur parole. Viens. Allez, viens. Ce que nous allons faire. Ah, quoi de neuf? Ils sont toujours pas arrivés. Non, ils ne sont pas encore là. On va attendre. Ah, tu es sûr, ils vont se présenter. Ah, mais... Je ne peux rien dire concernant ta patronne, mais je connais mon patron. On parlait de mon patron. Il vient d'arriver. Maintenant, la question, est-ce que ta patronne t'a rassuré? Je pense bien. Tu vois, ma boss vient juste d'arriver. Es-tu sérieuse? Oui. Et maintenant, la table est installée. Je souhaite que juste ce truc les mise ensemble. Je ne te le fais pas dire. Si ça aussi ne marche pas, on aura quand même fait de notre mieux. Nous avons fait de notre mieux. Au fait, partons d'accord avant qu'ils ne viennent ici. Allons. Oh, salut. Hey. Tu me suis ou quoi? Je devrais... C'est à moi de te demander ça. S'il te plaît, assieds-toi. Oh, merci. C'est à moi de te poser la question, quoi. Tu aimes le jazz? Si j'aime le jazz, je suis amoureuse du jazz. Wow. Tu sais... T'as pas la tête de quelqu'un qui écoute du jazz, tu vois? Eh bien, il y a beaucoup de choses que j'aime et que les gens pensent que je n'aime pas. Waouh, c'est très bien.
Hier, je voulais bien t'inviter, mais je ne savais pas que tu aimais la musique jazz. Sérieusement, je ne suis là que pour ça, alors amusons-nous ce soir. Ouais. Où est-il? Il devrait se montrer d'un moment à l'autre. Oh. Mais tu sais, moi, je peux être impatient. Puis-je t'offrir un verre de vin? Oh oui, bien sûr. Oh, ok. Waouh, je me suis tellement amusée ce soir. Le saxophoniste était très talentueux. En effet, il était parfait. Je me suis vraiment amusée. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas amusée comme ça que j'avais complètement oublié ce que ça faisait. Moi également. Je pense que je devrais sortir plus souvent. Oui, on ne peut pas juste travailler. Parfois, il faut savoir s'amuser. Ça nous permet de reprendre des couleurs. Tu as raison. Depuis ce qui s'est passé avec mon ex, eh bien, je me suis totalement déconnectée du monde. Mais les choses vont complètement changer maintenant. Comme tu as dit, je ne devrais pas laisser les ténèbres éteindre ma lumière. Exactement. Notre futur est tellement éblouissant que... Oh, il me faut des lunettes de soleil. C'est trop brillant. Oui, nous brillons comme le soleil. Le soleil? Le soleil lui-même vient emprunter chez nous. Tous les jours, s'il vous plaît, je peux emprunter un peu. Absolument. Je pense que nous devons partir maintenant. Rappelle-toi qu'on a un rendez-vous demain matin avec le client. Ouais, c'est vrai. Penses-tu qu'il va aimer le design? Ah, évidemment qu'il va aimer, on l'a fait, toi et moi. J'espère vraiment. On y va? Ouais, on y va. Ok. Voici les termes du contrat, juste ouais. Ici. Oui. On a essayé de Nous pouvons également déplacer cela et déplacer également celui-ci. Et placer cela un peu plus devant. Alors, aimez-vous le design? Oui, ça me plaît beaucoup, c'est vraiment beau, c'est simple et c'est beau, tranquille, ça va. Heureux que vous aimez. Nous avons essayé de vous apporter quelque chose d'inédit tout en restant concentré sur votre standard de construction et voilà le résultat. Eh bien, je vois que vous avez fait un bon travail, un gros travail même, donc c'est bien, félicitations. Oui, nous avons pris notre temps, monsieur. Alors, ça veut dire que vous allez choisir celui-là, vous ne voulez rien changer? Oui. Je vous dis la vérité, quand vous m'envoyez les autres designs et que j'ai rejeté, j'ai vraiment pensé à annuler le contrat et à vous mettre dehors, franchement. Mais maintenant, je suis vraiment heureux d'avoir attendu. Et là, c'est ça que je voulais exactement, Sam. Merci. Merci, monsieur. Mais vous savez qu'on ne peut pas commencer la construction si on n'a pas eu le reste de l'argent.
Je savais que tu avais parlé de l'argent, mais c'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Quand on va finir ça, je vais parler à ma société, ils vont vous transférer de l'argent et comme ça, j'aurai les trucs dans les délais, quoi. J'aurai le travail dans les bons délais. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Eh bien, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Vous aussi, monsieur. Passez une bonne journée. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, merci. Passez une bonne journée, monsieur. Merci, monsieur. Oui. Oui. Love is magical, unconditional. Désolé. Ooh, yeah. Unpredictable, but so beautiful to know the feeling of love. Pourquoi tu es si excité? On vient de te payer. Quel salaire même? Laissez ça, moi j'ai une très bonne nouvelle. Alors quelle est la bonne nouvelle? Regarde, le client vient juste de quitter le bureau quand j'ai écouté nos patrons en train de célébrer. Tu sais ce que ça veut dire? Le client a aimé le plan. Tu es sérieux? Oh, c'est tellement génial. Cela veut dire que ton boss a fait un bon travail. Bien pour que le client soit impressionné. Tu peux toujours le dire. Wow, ceci doit être célébré. Oui, exactement. Ça veut dire que ton travail ici est terminé, n'est-ce pas? Malheureusement, oui. Bien, tu vas me manquer. Je commence à m'attacher à toi. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se reverra plus, non? Bien, mais ça ne serait pas comme quand tu travaillais encore ici. Ça veut dire que je vais te manquer. Bien sûr, bien sûr. Tu es drôle, bonne compagnie, vif, intéressant, une personne un peu ennuyeuse. Oui, à chaque fois que je viendrai au bureau, j'aurai hâte de te voir. Et je pense que je ressens... Je veux dire, tu vas me manquer. Bien, oui, oui. Tu vas me manquer aussi. Love is magical, unconditional, so emotional. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse que nous avons fini avec ce design, franchement. Nous avons envoyé tellement de designs et il les rejetait tous. Je crois qu'il attendait plutôt le mien, tu vois, alors. Je suis contente qu'il ait mis notre travail. Non, c'était le nôtre. On a travaillé ensemble là-dessus, alors. Oui, nous l'avons fait. Alors j'imagine que c'est la fin, n'est-ce pas? De ce contrat? Également, on ne se verra plus. Quoi? Tu ne voudrais plus me donner de nouveaux contrats? Ne sois pas idiot. Bien sûr que j'aurai de nouveaux contrats, mais je veux dire, nous n'allons plus travailler dans le même espace, dans le même bureau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Alors j'imagine que on n'aura plus d'autres occasions pour le faire. Est-ce que tu voudrais me voir plus souvent? Tu sais, il y a quelques semaines, ma réponse aurait été un grand non. Mais maintenant... Quoi? Mais maintenant, je... Je sais que je le veux. Est-ce que ça te dirait qu'on aille manger toi et moi ce soir? Est-ce que... Tu me proposes un rencard? Oui, effectivement. Ok. C'est un oui? Oui. Love is everywhere, love is everywhere. Open your eyes and see. Let go of the hurt. Ooh, yeah. You can make it through. Je suis venu pour demander si vous êtes prêt pour partir. Oui, oui. Pourrais-tu m'aider avec mon ordi? Oui, bien sûr. Donc, on se voit ce soir.
Bien sûr. J'ai toujours voulu le faire. Bon bah, prenez soin de vous. Bien monsieur. Prends soin de toi Amanda. Quelqu'un va à un rendez-vous cette nuit? Non, je n'irai à aucun rencard ce soir. Nous allons juste avoir un dîner. Bien, une sortie avec une personne de sexe opposé à appeler rendez-vous. Que ce soit une simple sortie ou non. Tu n'as rien d'autre à faire aujourd'hui? Oui, madame. Quelqu'un raisonne comme une personne amoureuse. Tu apprécies le repas? Ouais. Je souhaiterais avoir un plus gros estomac. Comme ça, j'aurais pu manger un peu plus. Vraiment? Oui. N'as-tu pas aimé le repas? Ouais, c'était passable. C'était pas extraordinaire, mais bon. C'est pas besoin d'arriver à ce niveau où tu veux déjà lui faire un câlin. Je veux dire, j'ai déjà fait bien meilleur que ça. Toi? Je dis ça, je dis rien. S'il te plaît, cuisiner n'est pas donné à tout le monde. Quoi? Tu doutes de mes capacités culinaires là? Est-ce que tu douterais de ses mains? Non, pas du tout. Je dis juste que tes mains ne ressemblent pas à celles d'une personne qui sait cuisiner. J'ai des mains magiques, Juzette. Tu sais quoi? Je vais préparer pour toi. Viens à la maison, tu verras. Et je te préparerai le meilleur repas que tu as jamais eu. Sérieusement? Alors tu peux aller dans un restaurant à côté, prendre de la nourriture, le mettre dans la marmite et te faire passer pour celui Pourquoi qui a préparé. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi ferais-je? Tu sais quoi? Je le ferai en face de toi. Ça te va? Je suis un chef. Je te dis, ça va pas être de la repas, ça va être de la cuisine. Je suis impatiente. La cuisine. Tu es sûr? Bonsoir, monsieur et dame. Certain. Salut. Je suis content de vous revoir ensemble. Vous savez, beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois. Oh, waouh! Je suis content d'entendre ça. J'espère vous voir comme ça pour toujours. Qui serait heureux de nous voir tous les deux s'entendre? Je vous laisse profiter de votre soirée et après je vous envoie le menu. Bon appétit à vous et bonne soirée. Peu importe. Bref. Oh. Un instant s'il vous plaît. Oh. Bonjour. Salut. Bienvenue, bienvenue. Merci. Waouh. Ta maison est très belle. Oh, merci beaucoup. Très jolie. Ouais. Merci, merci, merci. Ok, allons-y manger la nourriture que tu as achetée. Oh, bien sûr que non. Tu sais quoi, j'ai juste mis tout en ordre dans la cuisine.
Je voudrais que tu sois avec moi du début jusqu'à la fin, ok? J'ai hâte de te voir perdre le contrôle en cuisine. Je ne vais pas manquer une minute de la scène. Montre-moi le chemin. Ok, on verra. Ok. C'est par ici. Je te suis. J'espère que ce que tu as fait ne va pas m'empoisonner. J'attends juste l'expression de ton visage lorsque tu vas goûter. Tu verras que c'est bon. Ok, c'est de la bouffe de haut niveau. C'est bon, je me lance. Normalement, on devait montrer ça à la télé. Est-ce que je peux goûter la nourriture? La cuisine. C'est pas un repas, c'est de la cuisine. Bon appétit. C'est bon. Je te l'avais dit. Waouh. Je suis un cuisinier hors pair. Mes mains sont bénies. Tu comprends maintenant? Je le fais depuis longtemps. C'est bon, hein? Tu sais, si je n'étais pas là, quand tu as fait ça, j'aurais cru que quelqu'un a fait ça pour toi. C'est pourquoi j'ai insisté pour que tu puisses assister à tout le processus et tu vois la puissance de ces doigts. La banane plantain est tellement bien grillée. C'est la texture parfaite, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'arrêter de manger. Ça me fait plaisir de savoir que tu aimes ma cuisine. Ok, de la cuisine de haut niveau. Tu sais, rares sont les hommes qui savent cuisiner. Avec la nourriture? Je pense que ce serait plutôt moi qui ferais ce genre de choses pour les femmes parce que je sais que je prépare mieux que beaucoup d'entre elles, n'est-ce pas? C'est clair. Et aussi, qu'importe la femme, elle aura de la chance de t'avoir. Oh, allez, dis pas ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vrai. Tu es une bonne personne. Et aussi, tu es très fou. Mais surtout gentil. Ton ex était folle de t'avoir trompé. Ton ex est celui qui a été encore plus fou pour pouvoir te tromper. Je ne peux pas faire ça. Tu peux pas faire quoi? Je ne veux pas me tromper une fois de plus. Écoute-moi. Je serais un fou si je m'amusais. Ok? Tu es une femme magnifique, un peu dure sur les bords, mais à l'intérieur, tu es une femme extrêmement tendre. Tu es juste un don du ciel. Oui. Tu es une femme merveilleuse. Cela signifierait énormément si seulement je pouvais t'avoir. Est-ce que tu promets de ne pas me briser le cœur? Je serais un fou si c'était le cas. Écoute, je t'aime, Kimberly. Vraiment. Je t'aime également. Je pense que je vais m'en aller. Il se fait tard dehors et je dois partir. Ok. Appelle-moi une fois que tu arrives à la maison, ok? Bien sûr. Merci d'être venu, Kimberly. Laisse-moi t'aider à débarrasser. Non, non, t'inquiète, je vais le faire. T'inquiète. Tu es sûr? N'en fais pas. Tu es sûr? J'en suis sûr. Ok. Tu débarrasseras une prochaine fois. Ok. Où sont tes affaires? Désolée. Mon sac. Merci. T'as oublié quelque chose? C'est qui cette fille qui vient de sortir de chez toi? Non, mais qu'est-ce que tu fiches chez moi, toi? Hein? Et comment oses-tu appeler l'amour de ma vie de la sorte? L'amour tu es de malade? Ta vie? Oui. Donc maintenant, tu as l'amour de ta vie. Je pense que tu vas essayer d'arranger les choses dans notre relation. Dans notre? De quoi est-ce que tu parles? De quelle relation est-ce que tu parles?
Il n'y a plus une seule relation entre toi et moi, tu m'entends, ok? Tu ne mourras plus jamais. Plus jamais, je te dis. Et plus vite tu enregistreras cela, et mieux on se portera, toi et moi. Je ne vais jamais accepter, je t'aime toujours. Ça me regarde pas le moins du monde, tu sais. J'ai fait mon deuil depuis longtemps, depuis très longtemps déjà. Enregistre ça dans ta tête, c'est mieux. S'il te plaît, bébé. Hey, je t'ai dit de plus jamais me toucher, t'as perdu la tête. Pardon. Sors d'ici. Pardon. S'il te plaît, bébé, je veux pas partir quelque part, s'il te plaît. Pardon, je veux pas partir. Pardon. Hey, sors d'ici. Ne me pousse pas à bout, ok? S'il te plaît. Sors d'ici. Et tu sais quoi, ma petite amie viendra de temps en temps ici. Je veux plus jamais te revoir. Parce que ma petite amie viendrait ici très souvent. Et je ne voudrais pas qu'un jour elle puisse voir son visage alors que... Ne me pousse pas à te traîner dehors de force parce que je le ferai. Je veux pas. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en. Tiens, prends ton sac. Sors de chez moi. Ne reviens plus jamais, s'il te plaît. Ne reviens plus jamais ici. Entrez, s'il vous plaît. Alors, quoi de neuf, Bo? Bonjour, monsieur. Ah, boss, peu importe la personne avec qui vous causez, elle vous fait vraiment rire. On peut entendre votre voix jusque dehors là-bas. J'espère que c'est un client. Et vers la joie qu'elle me procurait supérieure à tous mes clients réunis, tous les clients, tous réunis. Le simple fait d'écouter sa voix me remplit de joie durant toute la journée. Oh, donc vous êtes tombé amoureux? Là, je suis totalement amoureux. En fait, je plaide même coupable. Je suis tellement tombé amoureux que j'ai l'impression d'être sur le dos des anges en train de dormir. Ah, et je crois que c'est la personne que j'imagine. Ah, si tu parles de Kimberly, laisse-moi te dire, t'as tiré droit dans le mille. Tu m'as l'air bien content. Tu m'as l'air même plus content que moi. L'excitation ne peut pas définir ça. Je suis fou de joie, monsieur. Cela voudrait-il dire... que vous êtes officiellement en train de sortir ensemble? Oui, on s'est avoué récemment nos sentiments réciproques. Ah, Amandia doit attendre ça. Un instant, attends. Pourquoi j'ai l'impression que vous êtes derrière tout ça? Tu allais le dire à Amanda, hein? Pourquoi j'ai l'impression que toutes les coïncidences qu'on a traversées, vous étiez derrière tout ça? Bien, monsieur, c'est ce que ça doit être, vous voyez? Enfin, qui ne serait pas content de savoir que leurs patrons sont en train de s'aimer? T'as raison. En fait, je me rendais directement à son bureau. J'aimerais l'emmener quelque part pour le dîner. Oh oui, monsieur. Est-ce pour un déjeuner? Un autre dîner? Mm-hmm. Il en est hors de question. Je veux pas que tu sois à la troisième roue du carrosse. Suis-moi juste à son entreprise et puis on revient ici. Je voudrais pas t'avoir dans mes pattes. J'en posais beaucoup de questions et je voudrais vraiment pas ça. Dépêche-toi, on y va. Madame. Oh, je suis désolée, Amanda. Je ne t'ai pas entendu rentrer. Certainement, à quoi vous pensez doit être tellement. Ce n'est pas un quoi, mais c'est à qui je suis en train de penser. Qui? La personne doit être vraiment importante. Je pense que c'est la personne que j'ai en tête. Tu parles de qui exactement? Bien, j'espère que c'est... Bonjour, mon amour. Tu es magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que tu es prête? Oui, en effet. Salut, Amanda. Maintenant, tu connais la source de ma joie. Oui. Suivez-moi.
vraiment contente pour eux. Voir les deux amoureux. Si excitant. Mm-hmm. Je suis très content du résultat de notre travail. Tu sais, nous avons fait un très bon travail. Ça, c'est vrai. Nous formons une bonne équipe. Nous devons considérer d'oublier quelque chose de plus important. Sérieux? Oui. On ne fera pas juste une bonne équipe, on fera la meilleure équipe. Tu sais, on est parfait l'un pour l'autre. Bien. Qu'est-ce que tu essayes? Qu'est-ce que tu essayes de dire, Bolaji? Quelque chose que je voulais dire, ça fait un bout de temps. Tu sais, depuis que je t'ai vu dans le bar, j'étais attiré par toi, mais je savais pas quelle était la vraie raison. Même approcher de toi a fait que je t'ai connu. Je crois que tu sais ce dont je... Écoute, Amanda, je ne suis pas parfait, mais je sais que je suis parfait pour toi. Je suis tombé amoureux de toi. Je t'aime. Je sais pas quoi dire exactement maintenant, mais je suis amoureuse de toi aussi. Love is magical, unconditional, so emotional, ooh, yeah, unpredictable, but so beautiful to know the feeling of love. Love is everywhere. Love is everywhere. Open your eyes and see it. Yeah. Let go of the hurt. Ooh, yeah. Love can make it through. Love can reach out to you. To you. When you know it is true. First you get so addicted, intoxicated, yeah, with the magic of love. Then it hits like a sickness, so complicated, the magic, yeah, of love. Everyone has a weakness, you can't resist it, the magic, ooh, of feeling of love. Of love. That's the feeling of love. Yeah, yeah, yeah. Ooh. Yeah, 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 yeah. Of love. That's the feeling of love. Yeah, yeah. Love is everywhere. It's everywhere. Open your eyes and see. Oh, yes. Let go of the hurt. Ooh, yeah. Love can make it through. Oh yes. Love can reach out to you. Waouh, monsieur. Je rêve ou bien c'est ce que je crois? Moi, je veux la demander en mariage aujourd'hui alors. Oh waouh, félicitations monsieur. Pourquoi est-ce que tu me félicites? Elle n'a pas encore dit oui, hein? Tu sais, elle pourrait très bien dire non. Oh non, comment pourrait-elle dire non à l'amour de sa vie? À côté, vous devez commencer à préparer votre mariage, comme ça j'aurai des idées pour le mien. Le tien? Oui. Quoi, Amanda et toi? Exactement. C'est fou, hein? C'est comme si on les partageait. Le patron qui épouse la patronne, l'assistante qui prend l'assistante. Exactement, monsieur. Tu sais, je ne peux plus attendre pour épouser Kimberly. J'ai tellement hâte qu'elle soit mienne à présent, tu sais. Je vois, mais vous devez faire très vite pour que tout le monde sache qu'elle n'est plus un corps à prendre. Exactement. Mais regarde ce bijou. S'il vous plaît, monsieur, je peux voir la bague? Oui, bien C'est sûr. C'est trop magnifique. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a laissé rentrer dans mon bureau? C'est pas nécessaire, je suis déjà là. Non, mais tu te rends compte? Je vais directement la suspendre. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Parce que je suis venue dans ton bureau? Pourquoi tu me détestes? Je ne te déteste pas, je veux juste pas que tu sois à côté de moi. Parce que ta présence me rappelle des choses extrêmement douloureuses, c'est tout. C'est... Hey, touche même pas à ça. C'est un pneu de rechange. Tu me demandes qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas évident que c'est une bague? Tu veux demander un mariage à cette fille? Hey, je t'interdis de parler ainsi de la femme que je vais épouser. D'accord? Pourquoi tu veux demander un mariage? Qu'est-ce qu'elle a que j'ai pas? Joli visage, belle forme, fesses, quoi? Ce qui est nécessaire selon toi, hein? Un beau visage et un beau corps pour toi, c'est tout, quoi. Dis-moi, à part le sexe, qu'est-ce que tu m'en fais dans cette relation? Non, vas-y, dis-moi. Non, dis-moi. Kimberly a des tonnes de qualités de véritable femme que tu ne pourras jamais avoir. À présent, sors de mon bureau, s'il te plaît.
une dernière chose. Que ce soit la dernière fois que je te vois proche de moi. La prochaine fois, je te promets que j'appellerai la police pour t'arrêter. Et ça, je t'en donne ma parole. Sors d'ici. Franchement, Freeze, le harcèlement. Non, mais c'est quoi ces manières? Désolé, monsieur. Mais comment est-ce que tu savais qu'elle n'était pas à son poste? Je ne savais pas, monsieur. Tu es sûr que tu ne la couvres pas? Désolé, monsieur, je ne savais pas. Peut-on faire des choses comme ça? Cette femme est une tarée. Un vrai démon. Je me demande bien comment j'ai pu finir avec quelqu'un comme ça. C'est bon. À quoi est-ce que je pensais? C'est bon. Tout ce que nous devons faire, c'est de remercier Dieu qu'aucune vie n'a été prise. C'est la chose la plus importante. Je suis désolée. Boss, comment vous vous sentez? Oh, pas très bien, en fait. Je me sens pas très bien, pour être honnête. Ne t'inquiète pas, tu iras mieux bientôt. Avec le médicament que le docteur a donné, tu vas te rétablir très vite, mon cœur. Ne t'inquiète pas, heureusement tu n'as rien eu de grave. T'inquiète pas, tout ira bien. Désolée. Patron, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que vous allez vite vous remettre. Au moins nous aurons assez de temps pour planifier le mariage. Quel mariage? Le nôtre. Notre mariage. Tu sais, je voulais tellement le faire au restaurant, en fait. Mais mieux vaut tard que jamais. Non, 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 non. Non, 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 un instant. Je suis désolée. Kimberly. Oui. Montre-moi le véritable sens de la mort. Toi qui es la véritable définition de la beauté. C'est un véritable honneur de t'avoir dans ma vie. C'est vraiment sincère. Et j'aimerais que cela soit permanent. Kimberly, est-ce que tu voudrais m'épouser? Oui. C'est un bébé, oui. Bébé, oui. Merci. Es-tu maintenant prête à payer les taureaux? Quelle vache! Ah, je pensais que c'est toi qui disais qu'on allait leur payer des taureaux pour leur mariage. Est-ce que c'est écrit sur mon front? Oh, ok. Quoi? Pourquoi tous les deux vous nous regardez comme ça? Nous avons permis ceci. À partir du jour du déjeuner, du musique de jazz et le contrat. Oui, on a fait paraître comme une coïncidence. Je ne sais pas si je dois être fâchée ou reconnaissante. Bébé, je pense qu'on devrait être reconnaissant, ok? Parce qu'à cause de ces deux malades... Oui? Nous allons devenir une famille. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi.
Donc, chérie... Après le boulot, tu passes voir mon père, c'est ça? Je sais pas, ça dépend, mon emploi du temps est chargé aujourd'hui, mais je verrai. Non, bébé, ne dis pas ça. Il sera très fâché s'il ne te voit pas aujourd'hui. Il a vraiment insisté pour que tu passes le voir. C'est très important. Je sais. Aujourd'hui, toutes mes réunions sont vraiment chargées. Évidemment, si je termine un peu plus tôt, je pourrais éventuellement aller le voir. Bébé, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce visage? Qu'est-ce que tu veux dire par là? On parle de notre mariage ici, mon cher. Ça mérite toute ton attention. Ok, ok, ça va. Je vais y aller. Et je pourrai enfin voir ton père, ok? Fais-moi un sourire. C'est pourquoi je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. S'il te plaît, essaye de faire ça, hein? J'irai. D'accord? Bonne journée. Au revoir. Bye, ma chérie. Hey, salut chérie. Bienvenue. Sois le bienvenu. Ça fait du bien de te voir. Ta journée, ça a été? C'était une dinguerie. Tu te rends compte que je viens de terminer ma dernière réunion il y a 30 minutes. Ah. Dieu merci, aujourd'hui, il n'y avait pas d'embouteillage. Sinon, j'y serais toujours, mais maintenant... Et honnêtement, j'ai juste envie de m'asseoir un peu, reposer, manger quelque chose et dormir. C'est tout pour aujourd'hui? Comme nouvelle, c'est tout? Oui, en quelque sorte. Chérie, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais servir le dîner en bas. Chérie, tu es clairement fâchée ou frustrée par rapport à quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu étais supposée rencontrer mon père aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh, mince. Chérie, je suis désolée, j'ai oublié. Tu as oublié parce que ce n'était pas important pour toi? Non, ne dis pas ça. Oh, c'était pas intentionnel, chérie. Bébé, écoute, Becky. Becky. Becky, reviens, s'il te plaît. Tu sais, bébé, j'ai réfléchi au meilleur moyen de faire marcher notre mariage. Sans problème. J'ai pensé à faire un blueprint. Avec un modèle de fonctionnement. Donc le voici, regarde et dis-moi ce que tu en penses. C'est un plan détaillé, deux directives à suivre pour qu'on se comprenne mieux, des règles à respecter pour ne pas avoir de problème dans notre couple. Pour vivre en paix, bébé. Bébé, lis-le et tu me dis ce que tu en penses. Mais c'est un mariage dont nous sommes en train de parler, notre mariage. Ce n'est pas une chose, pas une entreprise avec beaucoup de règles. De oui, bébé, c'est notre mariage. C'est pourquoi nous devons travailler à son succès. Comment tu penses que toutes ces compagnies ou organisations font et ont des bénéfices? C'est juste qu'elles ont des règles qui marchent pour elles. Tu es un homme d'affaires, n'est-ce pas? Corrige-moi si je me trompe. Je suis d'accord, c'est pas faux ce que tu dis, mais... Mais quoi, mon amour? Je pense qu'on peut adopter ce mécanisme. Écoute, bébé, nous avons besoin de ce règlement, ok? Essayons au moins. Comme ça, on saura les choses à faire et à ne pas faire. Tu sauras exactement ton rôle à jouer en tant qu'homme et le mien en tant que femme. Enfin, on n'aura pas des attentes démesurées. L'un envers l'autre, bébé. Waouh, chérie, écoute. Écoute, bébé, tu dois être d'accord avec moi. C'est ce que je veux. Juste accepte la méthode. Boum! On avance, ensemble! Beck, j'ai très bien entendu tout ce que tu m'as dit, ok? Comme je te l'ai dit au début, il s'agit de notre mariage, là. Et tu t'es précipité à tout organiser, toute seule. Tu as pensé à ce que je voulais. Parce que tout ce que tu es en train de faire, là, tu as organisé ce mariage avec tes propres termes. Non, bébé. Je l'ai fait par amour. Pourquoi tu dis que ce sont mes règles à moi? Bébé, je t'aime. Tu m'aimes. Je suis toi. Tu es moi. Et tu veux la même chose que moi. Ou es-tu en train de dire que tu ne m'aimes plus? C'est ce que tu essayes de dire, bébé. Non, je ne peux pas dire que je ne t'aime plus. Si tu m'aimes, fais-en comme ça, bébé. Essayons au moins ceci.
Essayons. Juste essayons. Notre mariage serait mieux. J'en suis sûre. Écoute-moi. Bébé. Bébé. Merci. Merci. Hey chérie. Oh mon Dieu, tu prends tellement de temps pour te préparer. Pff, Seigneur. Nous sommes déjà en retard. Juste derrière toi. Je voulais juste m'assurer d'une chose. Mais c'est bon, c'est réglé. Alors, de quoi j'ai l'air? Bien sûr que tu es beau. On va juste rencontrer mon père. Ce n'est pas le jour de notre mariage. Je sais. C'est juste histoire d'impressionner mon futur beau-père. Impressionner? Mm-hmm. Tu n'as pas impressionné mon père avec ton look. Tu dois m'impressionner, moi, avec ta bouche. Vraiment? Oui. Écoute, ça c'est vraiment pas drôle. Oh bébé, je plaisantais juste avec toi. Ouais, mais c'était pas drôle. Mais je plaisantais. Désolé, ne te fâche pas. Ouais. Ne te fâche Allez, pas. Allez, on y va. Mais qui dit que tu l'as demandé en mariage et qu'il a accepté? Oui, monsieur. Ah, ça me rendrait vraiment heureux de partager ma vie avec votre fille. Et je vous donne ma parole que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre votre fille heureuse tout le temps qu'on sera mariés. Papa, Justin est un homme bien. Il vient d'une famille responsable, il a un bon travail et il est tellement doux. Il l'est vraiment. Je pense, enfin, je suis sûre que je suis à l'aise avec lui. Je suis bien avec lui. Je vous promets que si vous me donnez votre fille en mariage, je m'assurerai qu'elle soit toujours dans la bonne humeur et l'amour. D'accord. Il y a quelque chose que je dois vous dire, tous les deux. Le mariage est une aventure qui requiert beaucoup, beaucoup de sagesse. Pour bâtir une solide et maison bénie, il y a quelqu'un, en fait, un de mes amis, que je veux que vous allez voir. Il est conseiller matrimonial. Il est vraiment intelligent. Lorsqu'il s'agit de couple, mariage, tout ce qui est en rapport avec ça. Mais papa, qui a besoin de ça? Justin et moi avons déjà une formule pour notre mariage. Oui, en fait, nous avons déjà réfléchi à un système et cela nous va bien, ça marche avec nous. Nous n'avons pas besoin de conseiller matrimonial, pas besoin. Ou, n'est-ce pas chérie? Bien sûr. Oui. Becky, le mariage n'est pas un travail. Et tu ne le prends pas comme un projet du boulot. Ah, je sais, papa. Mais nous y avons longuement réfléchi, véritablement. Et c'est une méthode qui fonctionne pour nous. Oui, monsieur, on a déjà tout planifié, Becky et moi. On a déjà dans tous les détails comment est-ce que notre mariage va se dérouler. Et si ce mariage doit avoir lieu, vous allez tous deux consulter un conseiller matrimonial. Si vous n'êtes pas à l'aise pour mon ami, parce que ça va à l'encontre de l'éthique professionnelle, vous êtes libre de choisir par vous-même un autre conseiller matrimonial. Mais vous devez voir quelqu'un. Je ne parle pas d'un homme de Dieu ou bien un révérend. Je parle d'un professionnel et diplômé conseiller matrimonial. Vous pouvez prendre cela comme ma propre condition pour que ce mariage ait lieu. Papa! C'est d'accord. Justin? On le fera, j'ai dit. Si c'est vraiment ce qu'il faut faire pour qu'on puisse être ensemble, alors on le fera. Oh bébé, bébé!
Pourquoi faut-il que tu m'énerves à ce point? Écoute. Pourquoi tu prends parti pour mon père? Nous ne sommes pas encore mariés et tu es d'accord avec lui sur tout. Ah! J'ai tout simplement fait ce qui était juste. Ah, ok. Dis-moi donc, en quoi est-ce qu'il a raison? Comment? Pourquoi rencontrer un conseiller matrimonial? Exactement. Écoute, on a déjà tout planifié, d'accord? On a déjà tout planifié à l'avance. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de leur montrer. Et puis on le fait surtout par rapport à la condition de ton père, c'est tout. Je me demande pourquoi mon père veut toujours contrôler ma vie. Il se comporte comme ça depuis mon enfance. Étant célibataire, il n'a pas arrêté de décider pour moi. Et maintenant que je suis fiancée, il veut encore contrôler ma vie? Bébé, écoute. On passera juste un jour avec ce conseiller. Ça ne fera de mal à personne. Après toutes ces tracasseries, on pourra vivre notre vie ensemble. Allez, quoi. D'accord, mon amour. Quel point je le suis, dis-moi. Comment elle? Chérie, pourquoi est-ce qu'il nous regarde comme ça depuis tout à l'heure? Je n'ai aucune idée. C'est peut-être une technique de vieux. J'ai reçu un appel de Monsieur Dode. Il disait que vous deux, vous avez besoin d'un conseiller matrimonial. C'est exactement pourquoi nous sommes là. Donc, allons droit au but, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir... J'aimerais poser quelques questions. Parlez-moi un peu de vous, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Il n'y a rien à dire. La seule chose à savoir ici est évidemment que Justin et moi sommes très amoureux l'un de l'autre. Nous nous aimons vraiment, n'est-ce pas bébé? Oui. Et nous avons déjà quelque chose qui fonctionne pour nous. Un règlement qui marche bien. Pour nous. Donc, voilà. Eh bien, d'après ce que tu dis, ça veut dire que vous êtes vraiment amoureux l'un de l'autre. Très amoureux l'un de l'autre. Et pour tout vous dire, cette réunion a été prévue par mon père. Donc, faisons simple. Arrangeons tout le monde ici et clôturons là. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Je comprends ton état d'esprit, mademoiselle. Enfin, madame, mais je vais te demander de te calmer, s'il te plaît, de redescendre. On va gérer un problème à la fois, d'accord? Un conseiller matrimonial, ça veut dire exactement que ce n'est pas juste que le mariage perdu, mais c'est d'aider le couple, d'aider le couple à travailler sur eux et à progresser, en fait. Il a été mentionné que vous avez développé des termes, des conditions et tout, mais en tant que professionnel dans ce domaine depuis des années maintenant, je peux t'assurer que c'est comme si vous n'avez pas confiance en vous et je comprends pas en fait, ça n'a pas sa place. C'est comme si vous espérez que votre mariage crache en fait. Laissez-moi corriger une chose, ok? S'il vous plaît. Combien ça nous coûtera? Bon, regardez. Si nous nous trouvons ici, c'est à cause de la requête de mon beau-père. Il a insisté, ok? Je suis extrêmement occupé. S'il vous plaît, j'aurai pas tout ce temps. Monsieur Justin, vous êtes sur le point de vous marier. Et il va falloir faire des compromis dans ce mariage. Ça commence maintenant. Est-ce que vous avez écouté ma femme? Nous avons notre façon bien à nous de marcher ensemble. Et tout se passe à merveille. Je suis sûr qu'en tant qu'homme de famille, vous avez sûrement votre façon de gérer vos problèmes. Alors qu'est-ce qui vous donne le droit de vous asseoir là et nous dire comment est-ce qu'on devrait vivre nos vies? Pardon, monsieur Justin. Je ne vous permets pas d'insulter mes années d'expérience et de Dieu l'arabe. Dépassez la ligne et je ne permets pas cela. Chérie, calme-toi. Chérie, calme-toi. Il essaie seulement de faire son travail. Calme-toi, ok? Monsieur Justin, je ne vous permets pas cela. J'ai pas besoin de votre argent. Et en plus, j'ai trouvé ça vraiment insultant. Calmez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Il n'est pas question de corruption ici. Et c'est juste un présent. Je m'en fous de tout ça. Je fais ça pour votre bien. Et si vous ne voulez pas, vous êtes permis de partir. Vous êtes permis de quitter les lieux maintenant, même, s'il vous plaît. Ah, monsieur, s'il vous plaît. Pas besoin d'en arriver là. Chérie, calme-toi.
Chérie. Je comprends pas. Chérie. Oui. Je pense qu'on a un peu exagéré avec le conseiller. Il faisait juste son travail. Et nous avons été vraiment durs avec lui. Ce n'était pas gentil. J'étais agacé. Honnêtement, j'étais agacé. Tu devrais peut-être y retourner et t'excuser avant qu'il n'appelle papa et lui raconte non, tout. On n'est pas obligé d'en arriver jusqu'à. Tu crois ? Vraiment pas. Je suis pas sûr qu'il va appeler ton père pour lui dire quoi que ce soit. Et même s'il le faisait, je m'en fiche un peu. Écoute-moi. Peu importe ce que ton père fera, ça ne m'empêchera pas de t'épouser, tu m'entends? Ok? Quelle belle journée! Chérie, je suis rentré. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Wow. Ok. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe que je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? B. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Bébé. J'ai passé toute la journée en cuisine. À cuisiner des plats délicieux. Quelque chose de bon. Pour nous. Pour célébrer notre anniversaire. Tout ce que je voulais, c'était ta présence. Ta présence.
Mais tu n'es pas venu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces bêtises, Justin? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Dis-le-moi pour l'amour du ciel. On parle de notre premier anniversaire de mariage. Notre premier anniversaire. Qui oublie son premier anniversaire? Qui fait ça? Où? Qui? Ah. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas d'excuse. Je ne peux pas trouver d'excuse. Je sais pas comment est-ce que j'ai fait pour oublier. Il fallait que je bosse. Le travail, c'est le travail. Toujours le travail. Je sais. Tout tourne autour de ton travail. Travail, travail. Aucun rapport avec moi. Je ne suis jamais ta priorité. Non, bébé, dis pas ça. Notre mariage n'est pas important pour toi. Tu ne m'aimes pas, c'est ça? Tu ne m'aimes pas? Non, c'est pas ça. Je t'aime, chérie. Tu sais que je t'aime vraiment. Je me soucie de notre mariage. Écoute, je n'ai pas d'excuse. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je te promets que... Arrête! Arrête! Arrête, s'il te plaît, Justin. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas respecter. Non, ne parle pas comme non. ça. Non! Bébé... Je suis vraiment désolé et je te promets que la prochaine fois, ça n'arrivera plus. Je te le promets. Justin! Justin! C'est bien écrit dans nos règlements. On a longuement parlé de l'oubli de nos anniversaires. Nous en avons parlé pour l'amour du ciel. C'était écrit dans le contrat. Donc toutes ces excuses que tu donnes ne sont que des bêtises. Ne me raconte pas ces bêtises. Ce n'est pas une option. Laisse-moi passer. Bébé, oh, je suis en train de faire le petit déjeuner pour nous. Désolée, je n'ai pas faim. Bébé, s'il te plaît. Écoute, je suis vraiment désolé, d'accord? S'il te plaît, je te promets que ça ne se reproduira plus. S'il te plaît, pardonne-moi, je t'en supplie. Bébé, écoute, Écoute, je suis prêt à faire tout ce que tu voudras, tout ce que... Je ne veux rien de toi. La seule chose demandée était que tu respectes la partie de ton contrat que tu as acceptée avant le mariage. Joue ton rôle, Justin, et sois un homme. Hier, c'était votre premier anniversaire de mariage. Je suis vraiment fier de vous deux. Vous savez, c'est vraiment une grande chose de voir quand tu vois ce genre de couple de nos jours faire tout ce qu'ils peuvent pour que le mariage fonctionne. Je veux dire, avec le taux de divorce dans notre société actuelle, c'est dur de dire qu'un mariage peut perdurer ou survivre pour la première année. Je suis un homme de parole. Et comme je te l'ai promis, à ton premier anniversaire de mariage, tu auras la moitié de tous mes biens. Tu le mérites. Et je suis là pour accomplir cela. Cette enveloppe contient 50% de tous mes biens. Oh, papa! Pour moi? Oui. Merci beaucoup. Oh, papa! Demain, passez à mon bureau pour
compléter et finir la paperasse. Merci, merci, merci beaucoup. Ah, oh, papa. Merci, merci beaucoup, chérie. Je sais pas quoi dire. Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci, papa. Beaucoup. Merci beaucoup, beau papa. Que Dieu vous bénisse. Y'a pas de quoi, jeune homme. Tu es vraiment un homme de parole. Merci beaucoup. Ton père est un homme vraiment très gentil. Je suis heureux de l'avoir comme beau père. J'espère seulement qu'il te voit de la même façon. Oh chérie, je pensais que tu m'avais déjà pardonné. Je t'ai pardonné, mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Allez bébé, c'était une erreur. Les gens font des erreurs, je suis pas parfait, je suis vraiment désolé. Oh, j'ai l'impression que durant tout notre mariage, je vais devoir payer le prix des conséquences de mon erreur. Moi non plus, je n'aime pas être fâchée avec toi. Seulement, tu ne me laisses pas le choix souvent. Juste comporte-toi bien et joue ton rôle de mari. Moi non plus, je n'aime pas me battre avec toi. Tourne-toi, tourne-toi pour papa, allez, allez. Hey meuf. Hey chérie. Est-ce que tu avais pu acheter les épices? Ah ça. Désolée, j'ai oublié, bébé. Mince, j'en ai vraiment besoin pour préparer. Pourquoi tu ne pars pas toi-même, si c'est tant important? Je te demande pardon. Je suis en train de préparer. Donc? Bébé, tu as besoin de cette épice pour cuisiner, n'est-ce pas? Juste à 5 pas de la maison, il y a une boutique. Tu en auras sûrement là-bas. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Quoi, regarder la télé? Bébé, je me demande pourquoi tu te plains. Nous étions pourtant d'accord. C'est ton tour de cuisiner cette semaine, donc pourquoi tout ce drame? Je ne suis pas en train de me plaindre. Je demande juste de l'aide à ma femme, c'est tout. Mais qui? Écoute, si tu ne trouves pas ces épices importantes, juste laisse tomber, ok? Je n'aime pas être stressée. Je suis épuisée en plus. Je monte me reposer. Thank you.
Quoi? Pourquoi ce désordre? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi tout ça? Justin a oublié notre règlement ou quoi? Pourquoi ce désordre? Ou il attend que je débarrasse après lui? C'est quoi tout ça? Eh bien, un contrat, c'est un contrat. Je vais juste laisser cette table telle qu'elle est. Il reviendra nettoyer de lui-même. Ah, bêtise. Bébé? Quoi? Bébé? Je te trouve bizarre depuis hier nuit. Y a-t-il un problème? Rien du tout. J'ai besoin d'aller au travail, c'est tout. Allez, chérie, je te connais. Tu as quelque chose en tête depuis. Juste parle-moi. Bébé? Bébé, on peut toujours parler, tu sais, si tu veux, bien sûr. Prends soin de toi, ok? Salut, bon après-midi. Excusez-moi de vous avoir arrêté. J'attends mon taximan, mais il n'arrive pas à venir. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez me déposer devant. S'il vous plaît. Ok. Merci. Alors, vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans une entreprise d'assurance. Ok, waouh, c'est génial. Ça me permet d'être occupée, mais je suis une étudiante actuellement. Impressionnant. Oui. Donc, vous étudiez et travaillez en même temps. Waouh, vous devez être une accro du travail alors. Oui, merci. De rien. Alors, qu'est-ce que vous étudiez à l'école? Maths, communication et médias, technologie. Génial. Ah oui. Au fait, mon nom est Kate et vous? Justin. Oh, enchanté Justin. Oh, pareillement. Et merci de m'avoir aidé. Oh non, c'est rien. Oui. Coucou bébé, y a-t-il un problème? Parle-moi s'il te plaît, quelque chose ne va pas? Bébé, je te pose une question et tu m'ignores depuis, qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose ne va pas? Il y a quelque chose qui me dérange. Oh vraiment? Peggy veut savoir s'il y a quelque chose qui me dérange. Très bien, je vais tout te dire. Je vais te dire, ma chère femme, ce qui me dérange.
Là, tu es prête à m'écouter, n'est-ce pas? Je me lève tous les jours pour me rendre à mon lieu de travail, pour bosser et afin de subvenir à nos besoins vu que je suis l'homme. Sans oublier le fait que à chaque fois que je rentre à la maison le soir, j'affronte des embouteillages monstrueux. Je ne te parle même pas des nombreuses migraines ajoutées à tout ça. J'essayais de préparer un merveilleux repas pour ma merveilleuse femme parce que je me soucie énormément d'elle. Alors je lui ai demandé d'aller dans la rue, aller me chercher quelques épices pour finir le repas. Et qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Justin, oh Seigneur, tu sais quoi, Justin? Tu exagères juste. Oui, tu exagères. Avant de se marier, on a écrit ce règlement. Et nous étions tous les deux d'accord pour le respecter, n'est-ce pas? Tu fais exprès ou quoi? Tu as dit que tu allais faire le dîner quand c'était ton tour. On a donc partagé les responsabilités. Maintenant, pourquoi tout ce drame? Et tu fais tout un scandale. Pourquoi est-ce que je blablate? Vraiment? Pourquoi est-ce que je blablate? C'est vrai qu'on s'est mis d'accord sur ce pseudo-contrat que tu as créé. Mais où est le mal à aider? Où est le mal? Oui, mais j'étais épuisée. Je devais me reposer. Ah, vraiment? En plus, je n'ai jamais demandé ton aide quand c'est mon tour de cuisiner. Ok, très bien. Vu qu'il n'y a pas de problème pour toi et moi de vivre dans la même maison comme un couple et comme des étrangers en même temps, ne me demande plus jamais, je dis bien plus jamais, la prochaine fois que tu me verras dans mon coin, est-ce que c'est clair? Ah, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Maman? Josie! Tu m'as pas dit que tu venais, maman. Si tu avais décroché mon appel hier quand je t'ai appelé, tu sauras que je vais venir. Désolée, maman, j'étais à une réunion. Je devais te rappeler, mais j'ai oublié. Ça fait du bien de te voir. Josie! Quelle est la signification de ça? Pourquoi tu as porté un tablier? Maman, j'étais en train de préparer, ça ne se voit pas. Préparer? Comment? Où est Becky? Maman, relax. Tu viens d'arriver. Et si tu essayes de t'installer, je vais aller te chercher un verre d'eau. Garde ton verre d'eau pour toi-même. Josie. Où est Becky? Où est Becky? Maman. Becky! Maman. Maman? Tu es là? Je ne savais pas que tu venais. Non, je suis là-bas. Comment est-ce que tu sauras que je vais venir quand tu ne m'appelles pas au téléphone? Allez, maman. Tu es ici. Tchatché? Regardez la vidéo et mon fils est là dans la cuisine en train de préparer. Maman, c'est son tour de cuisiner. Je ne comprends pas. Comment? Maman, dans cette maison, tout le monde a la chance, tout le monde a la chance de passer du temps dans la cuisine. Et mon époux aime bien cuisiner. Tu vois, ce n'est pas un problème. Je ne comprends pas. Ah, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas, maman? Je vois que les deux femmes de ma vie s'entendent parfaitement bien. La nourriture est prête. Quoi? Je veux voir vous deux dehors.
Y a-t-il quelqu'un pour me dire ce qui ne va pas? C'est ça vous appelez mariage? Où l'homme est en train de préparer et la femme ne fait rien du tout? Josie, dis-moi, c'est de cette manière que tu veux évoluer? C'est pas vraiment un problème, maman. Nous ne sommes plus au temps où les femmes faisaient absolument toutes les tâches ménagères. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent aussi faire à manger. Ferme ta bouche! Maintenant, de nos jours, quand la femme prépare, gna gna gna. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire quand je suis arrivée? Elle est juste assise au lit, manipulant son téléphone. Mais maman, j'essayais juste de... Je parle toujours. Je sais que vous voulez, comme on l'appelle sur le média, regardez. Vous voulez assigner que vous apprenez plus que vos parents. Mais vous avez tort. Oui. Et aussi, si tu veux préparer, ta femme doit être là en train de t'aider. C'est pas qu'on la voit dehors en train de prendre soin des enfants. Je te pose la question plusieurs fois au téléphone. Est-ce que vous êtes allé voir le docteur? Pourquoi Becky ne peut pas te prendre? Est-ce que vous avez essayé s'il y a un médicament qui peut nous aider? Mais non. Tout ce que tu me dis, vous n'êtes pas encore prêt pour avoir un enfant. Et tu es en train de dire que tu t'es mariée très jeune. Et c'est un plan en deux. Quel est le centre? Maman, tu dois comprendre que... Ne m'interromps pas. Il y a certaines choses que je ne peux pas tolérer. Le mariage n'est pas copain-copine infernal. Tu dois avoir un gros plan que tu penses fonctionner pour toi. Mais je sais qu'il y a des choses qui existent avant ta grand-mère. C'est un devoir pour la femme de préparer pour son mari. Au cas où la femme est en train de travailler, ou est malade, ou a fait une fausse couche, le mari peut l'aider. Ou encore prendre une domestique ou elle. Maman, il y a certainement une incompréhension. Justin, ici, ne se plaint pas. Pourquoi il va se plaindre? Est-il dans la joie? Tu le fais quémander. Excuse-moi. Mère, fais attention à ce que tu dis. Pourquoi me parler de cette manière? Tu es en train de parler après moi? Tu m'as insulté en premier. Pourquoi ferais-je un truc pareil? Josie, tu es ici et ta femme est en train de parler après moi? Écoute chérie, tu dois parler avec ta mère. C'est un problème que nous avons déjà réglé auparavant. Il y a un contrat, tu sais. Il y a un règlement qu'on a tous les deux accepté, je te signale. Explique-lui pour qu'elle comprenne. Maman, demain j'ai une importante réunion à présider. Je vais manger et puis je vais aller me reposer. Excuse-moi. Josie! Je me demande ce qu'elle fait là. C'était pourtant clair qu'aucun membre de nos familles ne devait interférer dans notre mariage. C'est aussi dans le règlement, je te signale. Tu sais? Chérie, je ne sais pas pourquoi tu restes silencieux. Il faut que tu parles à ta mère. Il faut lui expliquer qu'on a nos méthodes qui marchent pour nous. C'est notre mariage et pas le sien. Mais pourquoi est-ce qu'elle vient ici nous dire comment gérer notre foyer? Tu n'es pas bien, chérie, non? J'espère. J'espère vraiment que tu diras la même chose quand ton père viendra ici. Oh, s'il te plaît, mon père n'interfère pas dans notre gestion. Il ne nous contrôle pas. Oh, s'il te plaît, Becky, ton père aime tout contrôler. Pourquoi est-ce que tu dis ce genre de choses? Tu viens de qualifier mon père de monstre. Et comment oses-tu demander pourquoi ma mère rend visite à son propre fils? C'est quasiment sa maison. Non, chérie, c'est là que tu te trompes. Ce n'est pas sa maison, c'est notre maison. Notre mariage, notre vie. La gestion nous revient. Elle est tout le temps en train de nous dire quoi faire. Nous nous sommes entendus sur... Nous avons parlé de tout ceci avant de se marier. En effet.
Et dans ce même accord que tu aimes tout le temps mentionner à chaque fois, dans notre première année, on commence à avoir des enfants. Et j'ai arrêté tous ces contraceptifs. J'ai arrêté. Si tu crois ce que tu dis. J'y vais. Je sais que tu es joyeux en me conduisant à la maison. Maman, je te l'ai déjà dit. Becky et moi ne voulons que personne n'intervienne dans notre vie de couple, c'est tout. Donc, dire à mon fils d'arrêter d'être un jouet pour sa femme et de venir interférer, vraiment? Oui, maman, tu peux le voir comme ça si tu veux. Parce que maman, si je commence à écouter tes conseils, Becky fera sans doute la même chose de son côté avec ses propres parents. Et à la fin de tout ça, ce sera un véritable désastre. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de mariages dans ce monde se gâtent. Tu as toujours quelque chose à dire. Maman, c'est bon. Ok. Bon, il y a juste quelque chose dans ton plan que je n'aime pas. Tu sais, toute cette affaire maritale ne va pas fonctionner. Donne-moi des petits-enfants. Et si tu ne veux pas en prendre soin d'eux, envoie-les-moi. Et continue ta vie de célibataire marié. Oui. Je sais que tu m'aimes, maman. Je t'aime aussi. C'est bon. Donne-moi des petits-enfants. Bon, ok. Dis d'abord que tu m'aimes. Ce que je suis en train de dire, donne-moi des petits-enfants. Bien joué, maman. Je commence vraiment à m'inquiéter. Ma belle-mère essaye de m'éloigner du plan initial. Tu ne comprends pas. C'est aussi difficile pour moi. Oui, ça l'est. Tu n'as aucune idée. Écoute-moi. Pour tout te dire, je suis fatiguée de prendre ces pilules. Ça m'épuise. Et si je continue, je pourrais avoir des problèmes de conception, ce qu'on ne veut pas. Oui. Ok, bien, je dois te voir. Il faut qu'on se rencontre ce week-end. Pour en parler. Nous devons avoir un meilleur plan. Bonne journée. Si je peux me le permettre, est-ce que vous êtes là pour une session? Pas vraiment. J'aimerais juste vous parler de quelque chose. Cela concerne mon mariage. On est arrivé à un stade où je ne sais plus quoi faire. Ma femme et moi, on ne peut même plus avoir une conversation normale. À chaque fois que elle et moi on se met à parler, ça escalade jusqu'aux querelles. Elle se comporte et parle comme si elle savait tout. Elle n'a jamais fait d'effort pour que notre mariage fonctionne. Eh bien, monsieur Justin, il n'y a rien de mal à vouloir prendre un rendez-vous avec moi, mais si vous voulez le faire, vous devez le faire avec votre femme. Je ne pense pas qu'elle va accepter venir. Eh bien, il n'y a rien que je puisse faire à propos de ça, alors. Apparemment, la situation est vraiment très délicate, donc nous devons faire attention et bien gérer les choses.
la situation peut être comme une chaise brisée. Lorsque tu arranges une partie que tu laisses l'autre, lorsque tu poses un objet dessus, la mauvaise partie l'emporte sur la bonne partie et tout s'écroule. La suivi d'un mariage, c'est pour le couple, pas pour une seule personne. Je te conseille de faire quelque chose à propos de cela. Tu dois agir rapidement avant que tout ne s'écroule. Chérie, est-ce que tu cherches quelque chose? Non, j'arrange juste quelques affaires. Oh, ok. Est-ce que tu vas quelque part? Oui, je veux aller voir une cousine. J'y passerai probablement le week-end. Attends, qu'est-ce que tu dis? Oh, désolé chérie, j'avais prévu t'informer avant que tu ne partes pour le travail. Est-ce que tu as perdu l'esprit? Pourquoi tu m'insultes? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Dis-moi, Becky, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, mais c'est quoi cette bêtise de... Tu vas partir une semaine chez ta cousine? Comment peux-tu prendre des décisions pareilles sans même me consulter, Becky? Comment? Pourquoi tu cries? Non, Justin. Dis-moi exactement pourquoi tu me cries là-dessus. Pour l'amour du ciel, c'est ton cousin que je vais voir. C'est pas comme si j'allais voir un homme quelconque que tu ne connais pas. Un cousin! Tu es la femme la plus insensible que j'ai rencontrée. Excuse-moi? Oui, tu m'as très bien entendu. Je suis ton mari, bon sang. C'est comme si tu dirigeais toi-même ce mariage. C'est du genre, tu prends tes décisions et moi je te suis comme un toutou. As-tu oublié que dans la section 4, article numéro 10... Je me fiche de ton article pourri. Qu'il brûle en enfer. Qu'est-ce que tu dis là? Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qu'est-ce qui te prend? Justin, as-tu oublié que nous étions d'accord pour passer du temps seul chacun de son côté et prendre de l'air, réfléchir et se libérer l'esprit? Pense à cela. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Justin! Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette merde? Cette merde qui t'a donné avec le temps les couilles de faire tout ce que tu veux dans ce mariage sans même me consulter, hein? Justin! Tu exagères et je ne sais pas pourquoi. Tu trouves que je m'emporte? Tu exagères et je ne... Tu exagères toi, et je... Toi, m'emporter. Tu voudrais voir quand je m'emporte? Attends que je te fasse une démonstration. Je vais te faire une démonstration de ce que tu demandes. Au diable tous ces papiers, je suis ton mari, ok? Et aussi longtemps que tu seras ma femme, tu feras ton devoir de femme. Justin, tu viens de déchirer notre contrat. Tu te comportes comme ça, pourquoi? Mais qu'est-ce qui lui prend? Oh, donc tu penses qu'après l'avoir déchiré, c'est fini? Notre contrat est toujours d'actualité, voilà. C'est quoi même ces bêtises? Et tu me cries encore là-dessus? Absurdité! Et tu me cries encore là-dessus? C'est quoi même ces bêtises? Ah! Bêtises! Absurdité! Justin? Justin! Justin! Bébé! Bébé! Chérie! Ah! Il se comporte maintenant comme un enfant. Elle est pratiquement en train de me rendre fou. Et elle n'écoute pas ce que je lui dis. C'est comme si je blablatais. C'est du genre parler jusqu'à ce que je termine. Monsieur Justin, je comprends comment vous vous sentez. Mais je dois être sincère avec vous. La seule manière que ce problème puisse se régler, c'est d'avoir une très bonne session avec vous et votre femme. D'accord?
D'accord. Je n'y passerai pas la nuit, s'il te plaît. Justin et moi ne sommes pas en de bons termes en ce moment et je ne veux pas qu'il soit encore plus énervé qu'il est déjà. Oui, à bientôt donc. Ok. Ok. Combien de temps allons-nous tenir? Combien? Allez, Justin. Ok, bébé. Si je t'ai offensé, je te demande pardon. Pardonne-moi. Alors, suis-je pardonné? Dis-moi un truc, à ton avis, est-ce que tu penses vraiment que ce mariage est en train de bien se passer? Es-tu déjà fatigué? Je t'ai posé une question toute simple. Oui. Oui, ça marchait bien quand on respectait le contrat toujours. Oui. Ça marchait très bien quand on respectait le contrat. Notre règlement. Ça marchait bien. Donc ce que tu dis, c'est que on ne devrait pas être expressif. Ça veut dire que si tu dis quelque chose qui me plaît, j'ai pas le droit de parler. Je n'ai jamais dit ça. Je dis juste que notre contrat était... bonnet. Hey Kate, comment tu vas? Ouais, ça faisait longtemps, dis-moi. Ah bon? Tu voudrais te balader un peu? Ok. Envoie-moi ta localisation, je viens te chercher. Ça marche. J'ai passé un bon moment. Merci. Moi aussi. Merci. Mais de rien. Alors, quand est-ce que tu reprends les cours? Dans quelques semaines. Ok, super nouvelle. Oui. Donc, je... Quoi? Je veux dire... Hey! Qu'est-ce que tu fais?
Je pensais que tu m'aimais. Kate, tu es une femme vraiment magnifique, mais... Kate, je suis marié. L'alliance que j'ai au doigt le montre très bien. Je ne pense pas t'avoir caché le fait que j'étais déjà marié. Je voulais juste qu'on soit amis. C'est tout. Amis. Amis. Quelle bêtise. Juste amis. Où as-tu vu un jeune homme et une jeune fille sont des amis? Écoute, je pense que tu as mal compris. Oh non, je n'ai pas. Je n'ai pas, c'est tellement clair. Ok, tu sais quoi? Je pense vraiment qu'on s'est juste mal compris. Excuse-moi Justin, je ne te comprends pas comme... Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Donc tu ne m'aimes pas? Ou bien tu penses que je suis seulement une fille qu'on prend en route et on passe du temps avec? Après avoir décidé de m'aider... Et tu as demandé les rendez-vous et autres choses et maintenant tu veux me dire que tu ne m'aimes pas? Juste admets que tu es méchant, tu es méchant. Tu n'as pas vu tous ces hommes qui ont les maîtresses? Je suis sérieux, regarde-moi, je suis une fille chaude. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Donc prochainement, si tu sais que tu ne vas pas finir ce que tu as commencé, ne t'approche pas de moi. Excuse-moi, Justin. Salut. Comment était ta journée? Il était bien. Devine. Je ne veux pas deviner. Tu sais que je déteste ça. De plus, tu es pleine de surprises. Vraiment enceinte, chérie. Oui. Chérie, on va avoir un oui. bébé. Je t'aime, mon amour. Je t'aime tellement. Je t'aime, bébé. Et je voulais aussi m'excuser pour... Non. T'as pas à t'excuser, ok? Ça va, t'en fais pas. T'es enceinte. Oh, waouh. Notre bébé donne déjà des coups. De quoi tu parles? C'est vrai. Il est encore fœtus. Il ne donne pas encore de coups. Non. Ça, c'est ton problème. C'est ma jolie petite fille, ok? Elle connaît son père, qui est juste ici parce que... C'est parce qu'elle m'entend, elle me répond quand je parle. Tu veux une fille? Évidemment, je voudrais une jolie princesse encore plus belle que sa mère. Moi, je veux un garçon. Non. Mais on va avoir une princesse. Merci, mon amour, pour ce cadeau. Merci de me redonner la joie encore ce soir. Dis-moi ce que tu veux, B. Ce soir... Kate? Attends, de quoi est-ce que tu parles? Kate, je t'avoue que je ne comprends rien de ce que tu me racontes là. Écoute, j'aurais besoin que tu t'arrêtes là tout de suite. Je te l'ai déjà dit, je suis marié. J'ai ma femme. Ça ne m'intéresse pas de sortir avec toi. Passer du temps ensemble est totalement différent de « je sors avec toi », ok? Écoute, tu es en train de me faire regretter le fait de t'avoir déposé.
et que tout ce que tu es en train de me raconter là, franchement, ne m'intéresse pas. Je te l'ai dit déjà. Je me suis embarqué dans quoi là? Salut beauté. Ça sent vraiment bon par ici. Tu cuisines quoi? À ton avis, à quoi est-ce que ça ressemble? Mon préféré? Ok. Alors, est-ce que tu as bien dormi? Je suis chanceuse d'être avec toi alors. Ok, je vais dresser la table. Oh non, 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 ça va. Tu n'as plus le droit de faire quoi que ce soit dans cette maison. Allez, bébé. Et pourquoi? Tu me demandes pourquoi? C'est parce que mon bébé porte un enfant dans son joli ventre. Notre bébé. Sérieusement, donc j'ai droit à un traitement premium, c'est ça? Non, 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 pas premium, chérie. Pro Max. Pro Max. Si tu le dis, bébé. je t'attends. Évidemment. Alors, va t'asseoir fermement et attends que je revienne, d'accord, chérie? Ok. Bien. Fais attention. Bien, bien. Fais attention. Salut, chérie. Salut, chérie. Bienvenue. Tu es magnifique, comme toujours. Bonjour, madame. Bonjour. Qui c'est, chérie? C'est lui qui s'occupera de toutes les tâches ménagères. Tu feras plus rien. Oh, bébé, ce n'était pas nécessaire. Non, non, non. Écoute, écoute. Je veux que tu prennes soin de toi, ok? Et l'enfant que tu portes dans ce magnifique ventre que tu as. Je veux pas que tu fasses d'efforts inutiles. Tu es juste un amour. C'est vrai, ça? Oui. Bien. Ok. Ok. Tu sais quoi, prends place. Je vais juste régler une petite affaire et je reviens, ok? On va en discuter. Je reviens, chérie. C'est quoi votre nom déjà? Aloé. Monsieur, je voulais vous dire, j'ai fini avec votre lessive. Ok, très bien. D'accord, y a-t-il quelque chose que je puisse faire encore pour vous, monsieur? Oh, franchement, Aloy, depuis le matin, tu ne fais que bosser. Est-ce que tu ne te fatigues jamais? Monsieur, je ne me fatigue jamais. Ne me regardez pas ma forme pour penser que non, je suis un faible. Oui, je me fatigue vite. Non, monsieur, je suis un moureux de la street. Monsieur, c'est moi, je peux travailler de minuit à minuit, monsieur. Je suis comme ça, je me fatigue jamais, je suis comme une machine. Mon papa me disait même que je suis pas normal. Les gens de mon village, ils me connaissent. Ils me connaissent très bien, monsieur. Ils me connaissent là-bas. On me connaît bien, je suis l'homme fort là-bas. Je vous dis, monsieur, je ne me fatigue jamais, jamais du tout. Je ne me fatigue pas, monsieur. C'est quoi ces bêtises? Ah, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Chérie, si je te raconte ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je suis tellement énervée, tellement! Est-ce qu'ils t'ont connu? Bébé, tu aurais dû voir ce qu'on a fait à ta femme. Ils m'ont presque tué! Quoi? C'est stupide, les chauffeurs de rue. L'un d'entre eux a failli me rouler là-dessus. Hey! Mais dis-moi, est-ce que tu as mal? Je vais bien. Je pense juste qu'il est temps de me trouver un chauffeur.
J'ai besoin d'un chauffeur avant que je ne fasse un accident. Ok, c'est bon. J'y ai pensé pendant un moment. Surtout que tu te trouves dans cette condition. J'aimerais vraiment que tu sois en sécurité. Oui. J'aimerais que tu arrêtes de te mettre en colère pour un oui ou pour un non. C'est pas bon. Je vais être ton chauffeur. Bien, très bien, monsieur. C'est bien que vous avez pris cette décision. Mais la manière que madame est jolie, là, elle doit être protégée normalement. Hey, excuse-moi. Excuse-moi. Hein? Tais-toi. Ferme ta bouche. Ça veut dire quoi, tout ça? Tais-toi! Qui est-ce qui t'a donné le droit d'interférer dans ma conversation? Tu es devenu fou? As-tu fini avec toutes les tâches de la maison? Fini? Oui, madame. Oh, vas-y, va te rendre utile quelque part d'autre. Allez! Bêtise. Bébé, tu sais... Oh, bébé, laisse-moi tranquille, j'ai trop mais souffert. Pas... J'ai trop mais souffert aujourd'hui. C'était pas nécessaire de lui parler comme ça. Si, bébé, je devais le faire. Qu'est-ce qui le concerne dans la conversation que j'ai avec mon mari? C'est de ta faute s'il a ses libertés ici. Il est là pour la maison. C'est de ta faute s'il a ses libertés ici. Tu sais que t'es sacrément belle quand t'es en colère. Bébé, je suis sérieuse. J'ai vraiment besoin d'un chauffeur. J'ai compris. Je ferai de mon mieux pour te trouver un bon chauffeur, ok? C'est pas un problème. Ok, c'est bon. Comme tu es d'accord, je peux en trouver un. Ah bon? Tu as déjà trouvé quelqu'un? Oui, il a travaillé pour mon père. Là, honnêtement, ça m'inquiète. Il a travaillé pour ton père. Tu sais pourquoi ton père l'a laissé partir? Non, il ne l'a pas chassé. Et il devait juste retourner en famille pour régler des problèmes de famille, tu vois, un peu. Tu vois? Donc, mon père l'a laissé partir pour un autre chauffeur. Mais en vrai, bébé, Godwin est un bon et diligent chauffeur. Il est bon. Tu verras, tu vas l'aimer. Tu verras, tu l'aimeras. Je vois. Oui, chérie. J'ai besoin de quelqu'un de familier pour me conduire, tu sais. Quelqu'un avec qui je serai à l'aise. Oui, bébé. Ok. Oui, bébé. À présent, essaie un peu d'appeler ton chauffeur là qu'on ait une conversation. Je peux le faire maintenant, si tu veux. Génial. je vais le faire dans la chambre. Allô? Tu ne comprends pas. Oh, tu ne comprends pas, j'allais t'appeler. Il veut te voir. Oh, s'il te plaît, arrête un instant. En ce moment, tu dois penser seulement à comment venir ici et le convaincre. Arrête de faire comme si tu étais un enfant. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu penses que cette offre t'attendra jusqu'à la semaine prochaine? Tu m'as dit que tu voulais une opportunité pour être proche de moi. Et maintenant que j'ai tout fait pour, tout ce que tu as à faire, c'est juste de te montrer. Ne gâche pas ce plan, s'il te plaît. Non. Écoute, c'est le seul moyen qui peut marcher pour que tu aies accès à cette maison. Tu comprends? C'est le seul moyen qui peut marcher. Ne t'inquiète pas pour mon père. Il est un peu plus facile à gérer. Je sais comment me comporter avec lui. Je vais le gérer. Ne t'inquiète pas pour mon père. Quoi? Comment oses-tu? Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans m'informer? Tu as perdu la tête ou quoi? Quoi? Attends, j'espère que tu n'écoutais pas mes conversations. Non, madame. Non, je n'ai rien entendu, madame. Je sais juste que vous étiez vraiment en colère, vraiment fâché, c'est tout, madame. Je n'ai rien entendu, madame. Je n'ai rien entendu, madame. Quoi? Attends. Es-tu stupide? Non, madame. Prends-moi tout ça et sors de ma chambre. Allez, sors de ma chambre, dehors. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi tout ça? Ah! Hey. Ah! Ce gars est fou ou quoi? Ah, c'est quoi le son déjà? Tu me laisses avec un fantasme.
Qu'est-ce que tu fais? Madame, excusez-moi, vous dites. Vas-tu te taire? Es-tu stupide? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Es-tu stupide? Tu fais ça, cette vaisselle particulièrement, depuis ce matin. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est ça? C'est quoi ces bêtises? Écoute, je te préviens pour la dernière fois. Qu'est-ce que c'est pour quoi? Tu viens juste d'arriver et tu me questionnes directement, sans demander même ce qu'il a fait lui. De toute façon, vous êtes tous pareils. Becky. Pourquoi est-ce que tu aimes te surmener toi-même? Pourquoi? Et pour rien en plus. Pour rien? Qu'est-ce que ça veut dire? J'exagère moi alors. Tu viens juste de me dire ça à cause de cet idiot? Mais qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'a envoûté ou quoi, c'est ça? Avec quoi est-ce qu'il t'a envoûté? Sinon tu n'aurais pas pris parti pour un simple employé et laissé ta femme. Un simple employé. Écoute, est-ce qu'on peut ne même pas aller là-bas? Aller où? Où exactement? Dis-moi. Je veux dire, ces disputes insensées, je comprends pas. Excuse-moi? Becky, je pensais qu'on avait dépassé ça. Pas complètement apparemment. Parce que tu penses toujours que j'ai tort. Et ça, je ne peux l'accepter. Sérieusement? Donc tu ne vas rien me dire? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chérie, est-ce qu'on peut? Juste pour un seul jour, s'il te plaît. Passer toute la journée sans se disputer, se quereller ou se chamailler. C'est encore de ta faute. Fais ce qui est juste. C'est toi l'homme de cette maison. Accepte juste la vérité, même si elle est amère. Et fais ce qui est juste, Justin. Je suis ta femme. Salut Godwin. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue. Merci. Tu peux t'asseoir. Ok. Chérie, voici Godwin, le garde dont je t'ai parlé. Ok. Ma femme m'a dit que vous êtes expérimenté. Oui monsieur. Personnellement, j'aurais besoin de rien. J'aimerais juste que vous preniez soin de ma femme lorsqu'elle voudra sortir. Chérie, comment tu le trouves? C'est pas une question de aimer ou pas. Puis-je lui faire confiance? C'est ça. Oui, évidemment. Il est bon. Ok, attends, je lui montre sa chambre. Attends. Laisse Aloy le faire. Ah oui, j'avais oublié. Aloy? Aloy? Madame? Viens, s'il te plaît. Voici Godwin, mon nouveau chauffeur. Donc, je veux que tu le conduises dans sa chambre et que tu le mettes à l'aise. Pas de problème, pas de problème. Merci, madame. Je t'en prie. Suis celui qui connaît la route.
Suis-moi. D'accord, allez. Fais tac, tu t'en vas, tu t'es pas à vendre. C'est ta maison ici. Hé, hey, chérie. Coucou, chérie. Regardez la magnifique femme que j'ai. Je suis en train de me rendre au bureau. Je suis en retard. J'aimerais que tu prennes soin de toi et de ce magnifique bébé. Il n'y a pas de problème. À plus tard. Hey bébé. Hey bébé. Pourquoi tu restes là à me regarder? Qu'est-ce que tu attends? Viens. Viens. Viens voir maman. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton lit matrimonial. Qu'est-ce que tu fais? Oh, s'il te plaît, arrête. C'est ma maison. Ok? Je le contrôle sur tout ici. En plus, ton mari n'est pas là. Et personne ne nous verra. Viens, bébé. Viens. Oh. Je ne serais pas à l'aise de le faire dans le lit de ton mari. C'est pas bien vu. Oh. Ça me ferait sentir comme un faiblard. Alors que non, je veux me sentir comme un homme, l'homme que allez, je suis. Allez, bébé. Tu es un homme. Sinon, je n'aurais pas trompé mon mari. Becky. Avec toi. Becky, attends. Pourquoi tu ne viens pas dans ma chambre? Tu as peut-être raison, mais je te veux. Viens. Becky, attends. Écoute, vois l'œil dehors. Tu sais quoi? Tu es très intelligent. Je vais faire ça. D'accord. Je suis là. Aloy? Aloy, tiens ça. Fais très attention à ce qui y est écrit, ok? Va au marché, achète-moi tout ce qu'il y a sur cette feuille. N'oublie rien, ok? Excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Tout ce qui est sur cette liste-là, on a déjà ça ici dans le magasin, madame. On a déjà ça. Je suis juste choqué, oh. Je suis choqué. Donc, parce que le boss a l'argent, tu veux juste utiliser l'argent-là, comme c'est là. Mettez-moi comme ça. Pourtant, il y a les trucs ici. On a ça dans le magasin ici. Et tu me donnes encore l'argent pour acheter la même chose. C'est quoi ça? Maintenant, dis-moi, ça, c'est pas la sorcellerie qui est là. C'est pas la sorcellerie, ça. Juste parce que tu as l'argent, donc tu gaspilles l'argent. Monte. Come on, come on.
Tu m'as manqué. C'est Justin. C'est... Justin? Comment est-ce qu'il soit... Comment est-ce qu'il soit de retour si tôt? Je ne sais pas. Comment faire? Je dois partir. Non, ça va sembler bizarre, ça va sembler très bizarre. Si tu sors d'ici, il va te voir là. Et s'il rentre et ne me voit pas dans la maison? Tu as dit que tu es sorti, est-ce que tu dois rester à la maison pour le restant de ta vie? C'est quoi ça? Ce n'est pas ce que je veux pour le reste de ma vie, mais réfléchis un peu. Tu es le chauffeur et je suis dans la maison. Comment je peux être dehors? En plus, la voiture est dedans, dans la cour. Ok, je... Il le verra forcément. Okay, je sais que tu as peur, mais tu vas compliquer les choses. Calme-toi. Si tu sors d'ici et qu'il te voit, qu'est-ce que tu vas lui dire? Écoute, c'est mieux qu'il me voie sorti de ta chambre que de me voir à l'intérieur de ta chambre. Est-ce que tu as embauché Godwin? Est-ce que tu as ramené Godwin dans ta vie? Papa... Oh, tu n'as aucune dignité. Tu es une fille indigne. Je peux tout expliquer, papa. J'ai réussi à enlever ce criminel de ta vie et tu es parti le chercher pour le ramener encore dans cette vie. Papa, je suis désolée. Si tu n'es pas de ma faute... De coucher avec lui... Sous le toit de ta maison. Je l'ai ramené car je l'aime. C'est le seul homme que je n'ai jamais aimé. C'est la vérité et je ne la nie pas. Je suis désolée. Je suis désolée. Est-ce que tu connais la raison pour laquelle j'ai renvoyé Godwin? Tu penses que je l'ai renvoyé parce qu'il t'aimait vraiment, c'est ça? Je l'ai renvoyé parce qu'il a orchestré mon kidnapping. Quoi? Godwin est un criminel. C'est une brute. Lorsque je l'ai découvert, je me suis débarrassé de lui. Je n'ai pas voulu te mettre au courant pour ne pas heurter tes sentiments.
Reste loin de ma fille. Je ne veux pas te voir t'approcher d'elle, ni de ma maison. Est-ce que tu as compris? Becky n'a aucune idée de ce que tu as fait. Et c'est mieux que ça reste ainsi. J'ai les preuves, j'ai toutes les preuves de ce que tu as fait à moi et ma famille. Donc si tu tentes, prends ça comme le premier et le dernier avertissement que je te fais. Fais très attention. C'est pareil pour moi. Seigneur, te mettre, la vérité est que je ne pourrais demander plus que toi. Tu es celui que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je suis impatiente de passer le restant de mes jours avec toi. Oui. Non, ne t'inquiète pas. Mon père est très riche. Son argent peut nourrir. Son argent peut nourrir jusqu'à sa cinquième génération. Mais tu sais que j'ai pas l'argent pour prendre soin de nos deux. Ne t'inquiète pas pour ça. Oui, et mon père a promis... Oui, et mon père m'a promis un cadeau. Il a promis me donner 50% de sa fortune à mon premier anniversaire de mariage. De quoi vivre toute ma vie. Là, tu me parles de la fortune de ton père. Pense à cela. Pense à tous ses biens, la compagnie d'automobile et les autres. Chérie, tu n'as absolument rien à craindre. Tout va bien. Et s'il refuse de te donner son consentement? Cette histoire commence à me faire peur. Tu as pensé à ça? Non, mais comment faire? Tu n'as pas encore de boulot et mon père ne veut pas de notre union. Mon cœur, mon père ne veut pas qu'on soit ensemble. Quoi? Regarde, qu'est-ce que c'est? Les compromis là. Tu es sur le point d'épouser un homme que tu n'aimes même pas. Est-ce que tu vas rester dans cette tromperie pour le restant de ta vie? C'est pour ça que j'ai pensé à ce plan-là. Un très bon plan pour ton mariage. Oui, un bon plan. Avec ça, on ne va pas juste avoir l'argent de ton père, ton premier anniversaire de mariage. Mais aussi l'argent de Justin lorsque tu vas le divorcer. Justin, papa, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, j'ai été aussi trompée. Il m'a aussi trompée. Pardonnez-moi, je suis désolée. Tu as ruiné ton mariage. Je ne pensais pas que quand... Je suis vraiment déçue de toi. Justin, s'il Justin te plaît. Justin est un homme bien. S'il te plaît. Avec tout ça, il avait essayé de te protéger de tout. De donner un peu de dignité. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je vais changer. Je promets, je serai obéissante. Homme, il t'aurait jeté. Non, s'il te plaît, Justin. Ne me laisse pas, Justin. Non, non. Non, s'il te plaît, Justin.
C'est moi à l'œil, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, c'est rien. Monsieur, c'est rien, mais... Il y a quelque chose. Monsieur, vous savez que depuis que je suis arrivé dans cette maison, vous m'avez toujours bien traité. Vous m'avez nourri. Vous avez fait le nécessaire, vous m'avez bien traité. Bien, bien même. Vous êtes un homme bien, monsieur. Donc si quelque chose se passe dans cette maison et que je vous dis pas... Non, je me sens pas à l'aise, franchement. C'est pas que je veux briser votre foyer, mais si quelque chose se passe et que je ne dis pas... c'est pas bien. C'est pas bien si je dis pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? N'aie pas peur, dis-le-moi. Mais c'est comme si Madame et Godwin, ils sont, je sais pas, vous savez, non? Comme ça. C'est comme si, je sais pas. Aloy, tu peux disposer. Hein? D'accord, monsieur. C'est pas comme si je veux briser votre foyer, mais je dois parler, c'est ça, c'est important. Les gens qui ne comprennent pas, les gens de dehors peuvent dire que non, moi je veux briser ce que Dieu a uni et commencer à parler à côté des ragots et tout. Tout ça, ce n'était qu'un jeu. Justine! Cette fois-ci, tu allais tellement loin. S'il te plaît. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je vais changer, je promets, je serai obéissante. Non, s'il te plaît, Justine. Ne me laisse pas, Justine. Non, non. Tu ne peux plus me mentir. Non, s'il te plaît, Justine. Je suis au courant de tout ça. Je suis actuellement l'homme le plus heureux du monde. Parce que je sais que j'aurai jamais d'enfant avec toi. Sinon, ça aurait été la plus grande erreur du monde. Et une dernière chose. Pendant que j'y pense, tout prend maintenant du sens. Toutes ces règles auxquelles tu t'accrochais. J'étais ta roue de secours, en fait. Ton choix le plus confortable. C'était intelligent. Ben, félicitations. Tu veux t'en aller. Champion. Bonsoir. Tu fais quoi là?
Je cherche mon power bank. Power bank. Le téléphone est déchargé. Est-ce que par hasard tu essaierais pas de voler les caleçons de madame par hasard ici? Non. Donc qu'est-ce que tu fais ici? Et à cause de mon power bank, ta batterie est morte. Non. Qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai toujours dit au couple lors de mes séances, et je le répète encore une fois, j'ai toujours dit ceci. L'amour n'est pas suffisant dans un couple. Pour qu'un mariage réussisse, c'est pour ça qu'il est vraiment important d'engager des gens comme moi, des professionnels, qui vont vous guider pour éviter que vous rentrez dans le mur directement. Il y a certains facteurs. Le premier, c'est quoi vos attentes mutuelles? Et le deuxième, comment vous vous organisez à la maison? Très important. Le troisième, comment vous gérez les parents et les beaux-parents? Comment ça se passe exactement? Voulez-vous des enfants? Si oui, combien? Comment vous gérez le sexe entre vous? Comment vous faites l'amour? Est-ce que chacun donne son avis et tout? Le plus important, comment vous résolvez les problèmes internes? Tout ce que j'ai cité sont vraiment des problèmes majeurs dans un mariage et que vous devez considérer pour bien avancer. Ce sont des points vraiment sérieux. Est-ce que tu échoues à mettre ça en pratique? C'est à ce moment-là que ton mariage commence à couler. Donc, enfin, je veux dire, il est vraiment important d'avoir un thérapeute pour vous assurer que votre mariage réussisse. Ah. Là, je comprends bien. Ah. Merci beaucoup, professeur. Je t'en prie. Everything for you. You were my world and my everything, yet it wasn't good for you. Now I know, it's gone and it's clear you betrayed our love. Trust. Yes, I was a fool for you. You made me believe and I walked right through. You never loved me. You were only deceiving me. You made me believe and I walked right through. You never.